Bonjour à tous. Je vais effectivement présenter la formation que je dispense depuis une bonne vingtaine d'années maintenant sur la pulvérisation, qualité de pulvérisation, bas volume. Vincent Franquet, donc je fais cette formation, je suis responsable et créateur de la société AgriConseil, donc basée dans le sud de la Marne. On dispense notre formation partout en France, partout où on parle français essentiellement. Ça, c'est ma limite personnelle, mais j'aime bien le préciser. Donc, France, Belgique, Suisse essentiellement. Et donc, dans la société, on a 3-4 personnes. Donc, j'ai une assistante technique qui fait de l'expérimentation essentiellement pour le moment. J'espère qu'elle va pouvoir me remplacer, ou en partie en tout cas. Et des stagiaires, une secrétaire, et voilà. Donc en gros, la structure légère d'AgriConseil. Alors, j'aime présenter aussi mes prédécesseurs. Donc, je ne suis pas arrivé là comme ça tout seul. J'ai travaillé avec Bernard Demaine. Je pense que pas mal de gens le connaissent encore. Donc, il est parti en retraite en 2003. Et donc, il m'a demandé si je voulais reprendre une partie de ces groupes existants et de la formation qu'il dispensait à l'époque. Donc voilà, en gros, c'est comme ça que j'ai démarré, et un petit peu avant pour AgriConseil. Alors, la formation qui était appelée bas volume à l'époque avait une entrée surtout économique. Bon, depuis quelques années, on va dire une petite dizaine d'années maintenant, on a une entrée aussi environnementale. Et également une entrée sur le vivant, c'est-à-dire que, en gros, moins on mettra de phytosanitaire au sol, moins on a d'impact négatif sur la biodiversité du sol, tout ce qui est champignons, bactéries, levures et compagnie. Et donc ça rejoint un petit peu les préoccupations actuelles et les gens qui sont dans la dynamique agriculture de conservation des sols, etc. Donc c'est une continuité, mais avec un angle un petit peu différent, qui est relativement important aujourd'hui. Donc en gros, on va présenter les objectifs de la formation, les objectifs du bas volume en tant que tel, les facteurs qui influencent la qualité de pulvérisation, hein, ça c'est très important, je les ai classés par ordre d'importance selon moi en tout cas, les enjeux sur le temps de travail, ça c'est un élément qui est absolument pas négligeable, le temps de travail du pulvérisateur, l'idée étant de faire un maximum de traitement dans des conditions favorables, et donc à partir du moment où on est dans des conditions favorables, on va pouvoir éventuellement baisser les quantités de produits et baisser les doses. Voilà, les enjeux du bas volume, choix des buses, limiter tout ce qui est perte. La première économie qu'on va faire, c'est de limiter la perte à la pulvée, donc en limitant la dérive, en limitant l'évaporation. Hein. Ça, c'est des éléments qui sont non visibles, mais pour autant non négligeables. Voilà. On va parler un petit peu de qualité au travers du nombre d'impacts au centimètre carré, de la taille des gouttelettes, etc. La réceptivité des plantes, donc surtout la feuille, hein. Le sol également, c'est très important, et la feuille, du stade à laquelle il est préférable de prendre les mauvaises herbes, par exemple, pour baisser les doses aussi. Tous les éléments climatiques, hein, ensuite, hein, on va évoquer l'hygrométrie, les températures, ensuite le vent, qui est un élément quand même clé. Hein, le vent, c'est un facteur important qui impacte la pulvérisation, en tout cas la qualité. On passera ensuite à l'adjuvantation. Qu'est-ce que c'est qu'un adjuvant? Pourquoi on en met? Quelles sont les fonctions qu'on va chercher donc, au niveau de l'adjuvantation? Donc voilà, définition des différents mouillants, les huiles, les sulfates, leur effet sur la dérive et leur effet sur la qualité de l'eau. Donc la qualité de l'eau qui peut impacter aussi la quantité de matière active restante, on va dire. Beaucoup de produits, beaucoup de matières actives, désherbants notamment, sont cités dans la littérature pour être sensibles à la dureté de l'eau notamment. Donc il y a trois critères dans l'eau qui sont importants, hein, le pH, la dureté et la conductivité. Alors en gros, on s'intéresse à ces trois éléments-là au niveau de l'eau. Voilà, en gros pour le programme. L'origine de la méthode, donc ce qui s'appelait à l'époque bas volume, la méthode bas volume, c'était Clément Jeantet et Bernard Demaine, dans le début des années 80, et je rappelle aussi souvent à ce moment-là qu'à l'époque, on traitait autour de 300-400 litres d'eau à l'hectare. Donc les temps ont bien changé, le matériel permet aujourd'hui de faire du bas volume relativement facilement. Après, il y a le matériel, hein, le tracteur, la topographie du terrain, tous ces éléments-là vont intervenir.
Donc à l'époque, ils ont attaqué sur deux sujets principaux, le glyphosate, et là aussi je rappelle que dans ces années-là, début 80, le glyphosate ça coûtait une quarantaine d'euros du litre, et les applications c'était conseillé autour de 10-12 litres hectare. Donc c'était un vrai investissement, donc ils ont observé aussi, et ils ont eu des remontées du terrain hein, qui démontraient que le glypho marchait plus ou moins bien, ils ont fait le lien avec la qualité de l'eau. Donc la dureté de l'eau qui impacte essentiellement le glyphosate, hein, et c'est un élément qui est très important, et tout le monde aujourd'hui travaille la réduction de la dureté avec le glypho au moins. Et puis il y avait le BTGV, alors le BTGV de betterave, c'est la méthode, le système de désherbage, et dans le BTGV de betterave, au final, il y a absolument tous les règles d'utilisation des produits en bas volume. Donc BTGV, ça veut dire quoi pour les non-betteraviers, donc les secteurs où il n'y a pas de betterave? C'est 4 produits, pardon, béthanal, tramate, goltix, vanzard. Donc 2 racinaires, 2 foliaires. Ils sont chacun, grosso modo, au dixième de leur dose homologuée et appliqués le matin de bonne heure avec peu d'eau à l'hectare. Donc on associe des modes d'action différents et on vient intervenir en bonne condition à chaque levée de mauvaise herbe. Donc on est sur des programmes entre 3 et 5 traitements selon les années, la date de semis, plus c'est précoce, plus il y a de traitement à faire, etc. Mais on impacte moins et on agresse moins la betterave, même si on l'agresse quand même. Donc on a travaillé sur ce système BTGV en l'appliquant aux autres cultures en fait. Et donc on peut faire la même chose avec des programmes colza, des herbages colza, tournesol, haricots, enfin toutes les cultures. Jusque-là, on n'a pas trouvé de limite à l'utilisation des produits sur des herbes très jeunes, à l'émergence, en conditions climatiques favorables. Voilà, donc on s'inspire quand même beaucoup de ces gens-là. Merci à eux du travail fourni et puis on continue. Voilà, donc les objectifs, c'est de réduire le volume de bouillie, bien sûr, parce que ça permet de faire plus d'hectares avec un seul pulvé. Et le temps qu'on met à les remplir le matin entre deux pulvés, finalement, c'est du temps de perdu. C'est du temps de perdu, surtout dans des conditions qui sont encore favorables, c'est-à-dire l'absence de vent le matin de bonne heure, souvent, et puis l'hygrométrie, qui est aussi favorable. Et l'hygrométrie est indispensable pour les désherbants, notamment. Donc c'est un gain de temps global sur la pulvérisation. Ce qui permet de moduler les doses de produits phytosanitaires, c'est l'application en bonne condition, hein, essentiellement, et sur des stades peut-être un peu plus jeunes que dans d'autres préconisations. Et tout ça, ça permet de diminuer l'impact négatif de nos pratiques de pulvérisation de produits chimiques sur notre environnement au sens agronomique du terme. Je ne m'occupe pas de politique. Voilà. Alors, bon, l'aspect formation me paraît moins important. Alors, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais n'empêche que on ne peut pas en prendre qu'une partie. C'est-à-dire qu'il faut prendre la globalité entre la qualité de pulvée, les conditions d'application, le traitement de l'eau et l'adjuvantation, c'est un tout. Si on n'en prend qu'une partie, on risque d'avoir des problèmes et de se planter, en tout cas, sur quelques interventions. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, l'aspect formation, parce que ça permet d'entendre tout en une ou deux journées et de l'appliquer, en fait. Voilà, l'intégrer sur l'exploitation. Et puis après, bon, c'est aussi intéressant de rester en contact d'un groupe bas volume, hein, parce que tout seul dans son coin, bon, la dérive est assez rapide au niveau des doses de produits, les nouveaux produits qui rentrent, etc. Donc on n'est pas toujours... on n'a pas toujours les essais dans tous les sens pour pouvoir adapter à chaque nouveau produit, etc. Donc voilà, l'échange est quand même important, ça permet de gagner du temps aussi. Un manque d'efficacité d'un traitement sur une exploitation, ça peut être le hasard, ça peut être un problème de climat, ça peut être et puis peut-être que les autres collègues n'ont pas eu ces soucis-là. Voilà, donc c'est important de gérer au moins une fois par an de refaire un peu le point. Alors la définition du bas volume, hein, en gros, au niveau des volumes de traitement à l'hectare, je la situe entre 30-40 et jusqu'à 80, voire 100 litres hectare. Là, on est dans le bas volume, hein, en tout cas, c'est en dessous de 100 litres. Le volume moyen des pulvérisations en France, grande culture, aujourd'hui, c'est à peu près 150 litres hectare. En gros, on perd, ça descend tous les 10 ans, on perd une cinquantaine de litres tous les 10 ans. Je ne sais pas où on s'arrêtera, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un peu le constat. On fait souvent du volume réduit, c'est-à-dire on va adapter le volume hectare à ce qu'on a à traiter ce jour-là ou ce matin-là, parce que les outils permettent de le faire facilement aujourd'hui avec les régulations modernes. Et on s'arrête autour de 30-40 litres avec du matériel conventionnel, parce que là, la limite, ça sera avec la taille des gouttelettes et la buse qu'on choisit, qui calibre les gouttes comme on le souhaite, la limite, ça va être la vitesse d'avancement. Donc le très bas volume,
Ça correspond à des exploitations avec un parcellaire suffisamment grand, pas trop de pente, ni de dévers, qui sont capables de rouler très vite. Hein, autour de, il y a des gens qui traitent aujourd'hui à 20, 25, voire jusqu'à 30 km/h. Donc c'est quand même particulier. Et ce n'est pas une fin en soi. Hein, c'est juste là un problème de débit de chantier. Voilà. Donc on va rester grosso modo dans l'entrée réduction en dessous de 100 litres hectare. Il y a aujourd'hui des contraintes réglementaires qui font que là aussi on est obligé de rester entre 80 et 100 avec des buses antidérives pour appliquer des prosulfucarbes, des produits comme ça. Et là du coup, avec des buses antidérives, on sera obligé d'être au moins 80-100 litres à l'hectare pour conserver une qualité minimum. Voilà en gros. Au niveau du temps de travail, bon, j'avais fait une simulation il y a quelques années avec la situation de départ, on va dire 150 litres hectare, 12 km/h. Je vais passer 7 fois dans la saison sur ma parcelle et donc je vais avoir 2 pulvérisateurs pour faire ces 25 hectares. Je suis donc 150 litres. Hein. Le faire le plein 30 minutes, temps de route 60, rinçage, repliage une fois donc 20 minutes. Et le temps de traitement au champ, 70 minutes. En gros, je suis à 3 heures pour faire mes 25 hectares. Et si je le fais 7 fois, ça fait 21 heures. Donc voilà. Ensuite, je vais changer un paramètre, c'est le volume de bouillie. Donc je vais passer de 150 à 60 litres. Toujours 12 km/h. Là, j'ai des contraintes mécaniques ou physiques qui font que je ne peux pas aller plus vite. Donc je vais diviser par 2, puisque je ne fais plus qu'un seul pulvé au lieu de 2, quand je traite ces 25 hectares. Donc je divise par 2 le temps de faire le plein. Temps de faire la route, j'ai qu'un repliage au lieu de deux, etc., etc. Je ne change pas le temps de pulvérisation au champ qui est toujours de 70 minutes puisque je roule à la même vitesse, mais je suis passé de 21 h à 14 h 30, donc on a économisé à peu près 6h30 dans ces 25 hectares là sur l'année. Et si je change le deuxième paramètre, donc je suis passé à 50 litres et 18 km/h, là je peux accélérer, ben je vais diviser en gros par 2 le temps de traitement au champ et je passe à 46 minutes. En gros, à 11h25 pour traiter 7 fois cette parcelle ou c'est cette surface de 25 hectares. Et donc, j'ai économisé une dizaine d'heures hein, sur 21, donc à peu près moitié du temps sur l'année pour faire cette parcelle. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. C'est d'ailleurs, pour certains, le seul élément qui reste même à la fin, c'est le temps de travail. Optimiser le temps de travail dans des périodes plus ou moins chaudes. Donc ça, c'est surtout valable et intéressant dans les périodes de printemps, voire fin de printemps, voire été, si on a des traitements à faire sur certaines cultures. Et c'est là où ça s'exprime le plus. Donc en gros, pour travailler en bonnes conditions, quand le soleil commence à monter à l'horizon, normalement, on doit replier l'appareil et rentrer. C'est-à-dire en gros, vous allez croiser les voisins qui vont eux partir uniquement. Quand la rosée a séché, enfin tout ce qui se disait il y a quelques années, on a mis un trait là-dessus et on va travailler donc sur, au contraire, une humidité importante. Et plus il y a d'humidité, mieux c'est. Surtout aux périodes chaudes et sèches, évidemment. Donc le gain de temps, il permet de choisir au mieux les conditions physiologiques, donc la réceptivité de la plante aux produits, notamment les désherbants qui sont très impactés par l'hygrométrie. Les désherbants sont des molécules hydrosolubles. Donc elles ont besoin d'humidité, à la fois extérieure, mais surtout dans la cuticule, pour pouvoir migrer dans l'eau, pour traverser les cuticules. Donc ça, c'est essentiel. Encore un fongicide, on peut éventuellement transiger un petit peu sur l'humidité et l'hygrométrie, alors qu'avec des désherbants, il est hors de question de transiger là-dessus, sinon on va perdre de l'efficacité. Donc comme ils sont déjà limites, ces produits-là, en efficacité pure, maintenant, hein, notamment sur des vulpins ou des régras, on essaye vraiment de les faire marcher au mieux et donc de les mettre dans des conditions où la réceptivité de la feuille et de la plante est maximum. Et les conditions météorologiques aussi, c'est-à-dire qu'en général, le matin de bonne heure, on a une absence de vent. 8 fois sur 10, le matin, il n'y a pas de vent. Alors ça peut arriver effectivement, souvent au mois d'avril, on a des vents d'est, nord-nord-est, qui sont séchants, qui peuvent souffler toute la nuit, etc. Mais c'est des périodes assez courtes, ça dure entre 8 et 20 jours en général. Mais en moyenne, on a le matin de bonne heure, une absence de vent qui est très importante, très intéressante. Voilà, donc les conditions physiologiques et météo permettent d'optimiser l'efficacité du produit, hein, des molécules. À partir de ce moment-là, on peut commencer à raisonner sur des doses à la baisse. Et ensuite, donc, dégager du temps, évidemment, toute la journée qui va vous rester, donc en dehors du pulvé en tout cas. Alors certains sont fatigués, hein, pendant la période de traitement, ça dure un mois et demi, deux mois. On n'est pas, souvent on fait des remarques sur
Quelqu'un qui a arrêté le lait, par exemple, qui disait ouais, c'est pas parce que voilà, j'ai arrêté le lait, c'est pas pour me remettre une contrainte le matin de bonne heure tous les matins. Donc c'est vrai que c'est pas faux, mais ça dure quand même qu'un mois et demi ou deux mois. Donc c'est pas non plus tous les jours de l'année, quoi. Bon, c'est tout. Je referme la parenthèse. Alors, au niveau économique, je vais aller assez vite sur les tableaux de chiffres, mais je vais mettre la synthèse. La synthèse, en gros, l'économie possible de produits phyto, c'est entre 30 à 50% sur les cultures, on va dire, scope, et autour de 20 à 30%, on va dire 25% en moyenne, d'économie possible de matière active sur la partie légumes, de plein champ, en tout cas. Voilà. Donc, c'est pas un enjeu négligeable du tout, hein. C'est quand même, dans les grandes masses, des quantités de matière active à la baisse qui sont considérables. Moins cher pour vous, bien sûr, mais surtout aussi moins de produits donc dans les champs et moins d'impact sur la biologie du sol. Donc, c'est, voilà. Quand on est en bas volume, c'est un peu le même phénomène, c'est-à-dire que vous traitez une céréale à l'épiaison ou dernière feuille, en bas volume, vous mettrez moins de grosses gouttes au sol, moins de fongicides au sol. Un fongicide, il n'a rien à faire par terre. Il va tuer des champignons, mais pas ceux qu'on le souhaite. Et ça peut avoir un impact sur la fertilité globale au bout d'un certain temps. Voilà, en gros, donc on va essayer de le laisser au maximum sur les feuilles. Voilà. Alors, ce tableau-là, il est important parce que j'ai classé par ordre d'importance au niveau de la pulvérisation les éléments clés. Alors, on va parler de pas mal de pulvées, mais dans un premier temps, les conditions climatiques au moment de l'application sont vraiment prioritaires. On peut se tromper dans le volume, se tromper de buse, se tromper de réglage au pulvée. C'est pas souhaitable, mais c'est pas non plus rédhibitoire. Par contre, y aller dans les conditions climatiques défavorables, c'est zéro. Donc là, on a des gros échecs. Si je prends un exemple avec un mésosulfuron, par exemple, on va dire l'Atlantis ou l'Archipel, ben, ces produits-là, quand on fait un traitement à midi et un traitement le matin de bonne heure, on a jusqu'à 50% de différence d'efficacité. Et comme ils ne marchent plus trop bien maintenant, ils ont du mal à faire le boulot, il est hors de question d'y aller dans des conditions séchantes. Voilà, ça, c'est pas possible. Alors voilà, on pourra contrer un petit peu ce manque d'hygrométrie, mais pas, on ne va pas remplacer l'hygrométrie naturelle. Il y a un moment, il y a des limites, hein, même si on met plein d'humectants dans la bouillie, ça ne remplacera pas une hygrométrie naturelle. Voilà. Ensuite, l'anticipation ou la prévention. Donc l'anticipation, bah, c'est traiter sur des herbes jeunes, par exemple, hein, quand elles sont émergentes. Ça, c'est intéressant parce que les cuticules, en général, sont moins épaisses, le produit rentre en quantité et en proportion plus importante dans les plantes très jeunes. L'inconvénient, souvent, c'est qu'il va falloir passer deux fois. C'est-à-dire qu'évidemment, tout ne lève pas en même temps, et donc vous allez avoir sans doute deux passages à petite dose à réaliser. Alors, est-ce que c'est un problème? Pas forcément, dans la mesure où on peut, par exemple en colza, on va pouvoir associer un insecticide, par exemple, c'est souvent en cohérence, un antigraminé avec un peu d'huile pour faire les repousses de graminées de bonne heure. Voilà, donc on n'est pas sur une augmentation systématique du nombre de passages, mais voilà, et par contre, ça demande de l'observation. Il n'est pas question de semer et puis de partir 15 jours en vacances. Dans ces conditions-là, vous risquez de revenir avec des plantes trop développées pour intervenir à petite dose. Voilà. Donc, soit on a des solutions, soit on n'en a pas, mais en tout cas, on sera passé à côté de la réduction de dose importante. Voilà. Ensuite, donc, la qualité de pulvée, je la mets en troisième position. Là, bon, autant faire une bonne pulvérisation, il n'y a pas de souci, hein, mais globalement, au niveau de l'impact sur le résultat, ce n'est pas la priorité, même si on insiste quand même beaucoup dessus. Voilà, qualité de pulvée. Le choix et le mélange des matières actives en 4. Alors ça, c'est important. Il faut toujours essayer de prendre la meilleure matière active sur une cible et de les associer. Ça, c'est fondamental. À partir du moment où on baisse les doses, on associe. C'est la seule solution. On est souvent critiqué en réduction de dose par pas mal de gens, et notamment ceux qui vendent des produits, sur la résistance ou les résistances. Alors d'abord, au niveau des résistances, il y en a plusieurs. Il n'y a pas un type de résistance, ce serait trop simple. Il y en a au moins deux grands types. La résistance vraie, c'est-à-dire que là, vous mettez 100 fois la dose d'une molécule, ben, le récepteur a changé, la plante ne l'a plus, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça ne marchera pas du tout. Là, dose faible ou dose forte, le résultat sera le même. Je dirais même qu'à la limite, les doses fortes, les grosses doses d'une seule matière active ou d'un seul mode d'action, les grosses doses vont avoir tendance
au contraire, à favoriser l'apparition de ces résistances-là, ou à sélectionner les plantes qui, de façon discrète au départ, existaient à l'origine du produit, vont être sélectionnées beaucoup plus rapidement avec des grosses doses. Voilà. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Le deuxième type de résistance, ça va être la détox ou la détoxification. Donc. Et là, effectivement, un seul mode d'action, un seul site d'action dans une plante, par exemple, si on met des doses trop faibles, évidemment, la plante ne va pas mourir et va apprendre à détoxifier de plus en plus de matière active. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous remontez la dose, et vous allez tomber dans l'autre problème, hein, de créer de la résistance, pour le coup, vrai, ou alors associer les modes d'action. L'association des modes d'action, c'est la seule solution vraiment perspicace, efficace, pour gérer ces problèmes de résistance. Ou en tout cas, avant de les gérer, essayer d'éviter qu'ils arrivent. Parce que, et ça, on aurait dû faire ça depuis des années. Alors la réglementation mélange, tout un tas de choses qui nous perturbent un petit peu. On a de moins en moins de possibilités, on a de moins en moins de produits et de sources de modes d'action différents. C'est un peu problématique parce que ben voilà, les multisites notamment sont très intéressants à associer. Si on prend le chlorothalonil par exemple, espérons qu'il reste parce que honnêtement sur Septo, c'est quand même le produit de base. On va rajouter une triazole, on va rajouter des choses, mais globalement c'est vraiment le produit incontournable. Hein, voilà une matière active qui a plus de 50 ans, avec je crois que c'est 300 homologations, 300 cultures homologuées, ou 150 pardon, 150 cultures homologuées et 300 cibles homologuées dans le monde. Et il n'y a pas un champignon sur la planète qui résiste à un multisite. Voilà. Alors, bon entendeur, salut, mais malheureusement, on nous prive. Et j'ai mis en dernier la qualité de l'eau. Alors, c'est à la fois en dernier pour la grande majorité de vos traitements, par contre, c'est en premier pour le glyphosate. Voilà, on a encore le glyphosate aujourd'hui, donc on peut en parler. Et la qualité de l'eau, là, et notamment la dureté de l'eau, notamment dans des régions calcaires comme ici, on a absolument intérêt à régler ce problème, donc à prendre et à adoucir l'eau avant de traiter ou de mettre, d'y intégrer donc, du glyphosate dedans. Sinon, c'est la moitié du produit. Hein, c'est-à-dire, vous traitez à 3 litres de glypho, bah, vous n'avez qu'un litre et demi qui va pouvoir marcher puisque l'eau est bloquée avec la dureté de l'eau. Donc, ça forme des cristaux. Hein, ça fait physiquement, on peut les voir sans trop de problèmes. Enfin, avec une bonne loupe, mais on les voit sur la feuille, des cristaux qui se déposent et le produit est piégé dans le cristaux et ne va pas rentrer dans la plante. Voilà. Alors, qu'est-ce qui influence Alors, pour rester sur la qualité de pulvérisation, qu'est-ce qui influence la qualité de pulvérisation? Bah, c'est un couple, la buse et la pression. Ça, c'est un couple qui est incontournable. Quand on choisit une buse, il y a une pression adaptée pour avoir une couverture. Donc la couverture, c'est le petit papier jaune, hydrosensible, qui va marquer chaque point bleu, donc c'est un impact. Et donc, la pression va jouer sur la qualité, puisque si vous augmentez la pression, évidemment, vous allez affiner la pulvérisation. Donc pour la couverture, c'est plutôt une bonne chose, mais en créant des gouttes fines, évidemment, vous êtes plus soumis aux conditions extérieures d'évaporation, hein, qui est plus rapide, et de dérive, évidemment, par un léger courant d'air, éventuellement. Bah, on va chercher un compromis donc, avec une certaine taille de goutte qui permette de traiter de façon correcte dans des conditions climatiques qui ne sont pas excessives. Mais comme on vous travaille à l'extérieur, évidemment, il faut en tenir compte et on ne peut pas affiner autant qu'on veut la pulvérisation puisqu'on est limité par l'évaporation dans un premier temps et le vent, évidemment, dans un second temps. Donc ça, c'est quand même un élément important. Et attention aussi aux pressions qui sont indiquées par le constructeur, qui a une palette de pression possible assez large. Hein, mais par exemple, si on prend une buse comme ici, là, ça doit être une XR, XR T-Jet, il est évident que le constructeur va vous dire entre 1 et 4 bars. Si vous mettez ça un jour à 4 bars, vous n'avez aucune goutte qui touche par terre. Hein. C'est clair et net, c'est évaporé à l'avance. Donc en gros, l'idée, c'est qu'on va essayer de ne pas dépasser la moitié de la valeur maximum donnée par le constructeur. Dans ce cas-là, dans cet exemple-là, de 1 à 4, on ne dépasse jamais 2. C'est tout bête, mais voilà, ça vous donne une limite. Même à 2 bars, ça sera déjà compliqué. Il faut vraiment les bonnes conditions. Toujours, les facteurs qui influencent la qualité de pulvérisation, ça, on n'a pas trop conscience, mais les conditions d'application, les conditions météo, c'est simple, vous faites un petit papier hydrosensible le matin à 5-6 heures, et vous faites le même à midi ou à 14 heures. Et vous allez voir que sur votre papier, vous aurez moitié moins d'impact bleu, moitié moins de gouttelettes qui vont arriver par terre.
Et donc ça fait du produit perdu, pas moitié, parce que c'est surtout les petites gouttes qui vont s'évaporer, mais c'est quand même une perte de produit de 10, 15, 20%, et surtout aussi une perte de couverture, donc de 50, 60 ou 100 impacts au centimètre carré, ben vous allez diviser ça par deux. Donc c'est quand même bien dommage. Voilà, donc les conditions climatiques, alors là, il y a le vent également, mais ça c'est, tout le monde le sait, enfin, c'est plus visuel, tout le monde connaît. Mais l'hygrométrie, c'est fondamental aussi pour garder la totalité du produit. Les 20-25% de produits qu'on va économiser au départ, c'est la limitation de la perte. C'est limiter la perte par les conditions climatiques, essentiellement. Alors après, l'entretien du matériel. Il est évident que cet appareil-là donc, est hors service, hein, mais l'entretien du matériel, ça veut dire qu'il faut limiter surtout le mouvement des rampes. Le mouvement de la rampe, c'est à la fois avant-arrière. Donc si ça bouge dans ce sens-là, vous avez à un moment donné moins de produit qui va toucher la cible, hein, à l'instant donné. Évidemment, ce qui est enlevé d'un côté, c'est remis de l'autre, hein, mais c'est un problème de répartition. Tant qu'on est à pleine dose ou à grosse dose de produit, il n'y a pas trop de soucis. Vous enlevez 20-25% par le balayage, ça ne se verra pas, parce que c'est la marge qu'on a sur la dose de produit par rapport à la dose homologuée. Mais à partir du moment où on commence à baisser les doses, et qu'on se rapproche du minimum requis à la cible, il est clair que là, le mouvement de rampe est à exclure. Donc c'est à la fois un problème de matériel, c'est également un problème qui peut être lié au travail du sol. Hein, sur un labour, par exemple, bah, c'est beaucoup plus compliqué de tenir la rampe comme il faut, alors qu'en semi-direct, c'est plus facile, voilà, etc. Donc en gros, c'est avec votre matériel, c'est à vous de trouver la vitesse d'avancement adaptée. Un champ ne sera pas forcément l'autre. Voilà, selon la composition du sol, etc. Donc ça, voilà. Et après, le haut et le bas, bah, c'est pareil. Là, on a un problème de recroisement, c'est-à-dire que si on passe en dessous d'un minimum de double ou de triple recouvrement, bah, on va avoir un problème de répartition aussi. Et on arrive de temps en temps, ça se voit, hein, quand on est trop proche du sol, bah, on a des lignes, une mauvaise herbe, par exemple. À un moment, il y a moins de produits, enfin, en tout cas, c'est pas homogène au niveau de la répartition. Les buses, on est obligé de faire recroiser le jet 2 à 3 fois, hein, pour avoir quelque chose d'assez homogène. Voilà. Alors, on nous pose souvent la question de la vitesse d'intervention. Est-ce que la vitesse de traitement va influencer la qualité de pulvérisation? Alors, je le dis souvent comme ça, c'est-à-dire que, en théorie, pas vraiment. On crée son vent quand on avance vite. Donc, il y a un vent, mais qui est dans le sens du travail. Donc, il est un peu moins perturbant au niveau de la pulvérisation. Ça met, par contre, toutes les fines gouttelettes vont être entraînées dans le courant d'air. Et on a un courant d'air assez... en forme de traîne, comme ça, qui fait un petit rebond. Et les gouttelettes fines sont dans cette traîne de courant d'air. Et s'il y a un petit vent de travers, mais un vent de rien du tout, hein, un petit vent léger à 3-4 km/h, ça va quand même décaler un peu plus que quand il n'y a pas de vent du tout, ou quand on roule doucement, parce que les gouttelettes vont tomber plus proches derrière l'appareil, avec beaucoup moins de temps d'exposition au vent. Et puis il y a quelque chose qui est clair aussi, c'est que chez les gens qui vont vite, et j'ai quand même suivi pas mal de spracoupiculteurs, j'aime bien les appeler comme ça, en général, il y a quand même plus de dégâts chez les voisins de ces gens-là, qui roulent vite, que chez les gens qui roulent doucement. Alors voilà, c'est un constat, mais c'est incontournable. Donc voilà, la vitesse, alors, c'est quoi la vitesse élevée? Bon, on va estimer que c'est au-dessus de 20 km/h. Voilà, aujourd'hui, on roule assez facilement entre 14-15 jusqu'à 18-20, ça c'est encore de la vitesse raisonnable, on va dire, à 20-25 voire plus, hein, certains sont à 30 aujourd'hui, ça commence à être compliqué quand même. Voilà. Donc si on roule vite, il faudrait faire des gouttes assez grosses, éliminer un maximum de très fines gouttelettes. Donc ce qui est un petit peu compliqué, puisqu'on va perdre en couverture. Voilà. En général, la vitesse d'avancement c'était lié au bas volume, donc c'est un petit peu compliqué de faire du bon travail en roulant très vite. Voilà. Donc il faut chercher son compromis. Alors au niveau de la qualité de la buse, on va chercher à travailler avec des buses qui calibrent les gouttelettes entre 260, 280 jusqu'à 300 microns. Allez, on va dire 270, 300 microns. Ça, on va le trouver dans le code européen avec des buses de couleur verte, jaune, lila. Et puis c'est à peu près tout. La bleue, ça commence déjà à être un petit peu plus gros. Si on peut travailler avec ces trois-là, ou une de ces trois-là, c'est parfait. La 01, je l'exclus, elle fait fin, mais elle fait trop fin du coup. D'abord, donc, il y a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est la dérive, hein, la finesse des gouttes. Et le deuxième, c'est le bouchage. Voilà.
C'est très compliqué de travailler avec des 0-1. Certains ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc je vous la déconseille. Par contre, à partir de la verte, c'est la buse idéale, la verte, quelque part. Elle calibre à 1 bar 7, 1 bar 8, elle calibre à 270 microns. C'est vraiment, là on est dans le top du top. Maintenant, pour des raisons soit de vitesse élevée, il va falloir prendre des buses qui débitent un petit peu plus fort, ou des problèmes de vent. Donc la jaune, en général, c'est un bon compromis. On est à 300 microns. Et puis, ça permet d'avoir des gouttelettes un petit peu plus grosses en moyenne, mais qui font du bon boulot. Voilà, jaune. Ensuite, ben, la lila, ben, c'est surtout une question de vitesse d'avancement après. Donc, sur une buse, vous allez retrouver un certain nombre d'informations, notamment la couleur qui correspond à un débit. C'est-à-dire que toutes les buses jaunes ont un débit de 0,02 gallons par minute. Il n'y a pas de différence avec les différentes marques, etc. C'est uniforme donc pour tous les fabricants. Le code ISO depuis 2005, ça commence à remonter. Et puis si vous avez encore un jeu de hors code ISO, il est peut-être temps d'en changer parce que ça fait déjà un moment qu'il n'y a plus que ça normalement. Enfin, il y a encore Albus qui a un jeu à leur couleur à eux, mais bon, globalement, on en trouve quand même beaucoup, beaucoup moins. Voilà, alors on va trouver sur la buse un certain nombre d'informations. La première, bah, c'est la couleur, c'est ce qu'on voit en premier. Ensuite, vous avez des chiffres, 110,02, hein. 110,02, vous allez avoir à la fois l'angle de pulvérisation, ici 110 degrés, vous pouvez avoir 80 degrés, donc 80,02 ou 110,02, donc c'est l'angle de la buse qui va être un peu différent, avec une incidence sur la hauteur de pulvérisation, on va le voir après. Vous avez le débit, donc 0,2 gallons par minute, donc c'est une mesure américaine. Ici par exemple 0,2 gallons par minute à 40 PSI, 40 PSI c'est la norme américaine aussi au niveau de la pression, ça fait 1,54 litre par minute à 2,8 bar. Voilà. Vous avez VS ici, VS c'est le matériau de fabrication, de l'inox ou de l'acier inoxydable en l'occurrence. Vous avez sinon VK c'est de la céramique, et vous avez aussi VP, c'est le plastique, tout plastique en polymère. Voilà. Et puis bien sûr, pardon, la marque et le type de buse. Ici, DG, c'est une buse limitation de dérive avec une pastille de calibrage et une chambre de décompression en dessous. Les matériaux de fabrication, alors qu'est-ce qu'on choisit en gros? Vous avez donc la céramique qui est la plus vendue aujourd'hui, qui est quasiment inusable, qui n'a qu'un petit défaut pour les petits calibres de buse qu'on utilise, donc une verte, une jaune. Elle a un défaut, c'est qu'au niveau de la fabrication, elle est moins bonne. Donc si on veut être puriste, on prendra plutôt une inox ou acier inoxydable qui a une qualité de pulvée plus intéressante. Alors voilà, mais par contre elle va s'user plus vite. J'ai en gros c'est 3-4 ans d'utilisation pour un céréalier et c'est tous les ans pour un patatier notamment qui va traiter beaucoup avec des produits un peu agressifs, avec des supports minéraux, les mancozèbes, etc. Donc voilà, moi je préfère l'acier inoxydable qui est quand même plus adapté à une vraie qualité de pulvérisation. Le tout plastique, ben aujourd'hui on a certaines buses où on n'a pas le choix, notamment les buses anti-dérive qu'on est quasiment obligé d'avoir, soit pour les LNT, soit pour les produits, donc le prosulfucarbe aujourd'hui, peut-être d'autres demain, qui sont obligatoires donc avec des buses anti-dérive. Et donc la buse anti-dérive, on prendra une AIXR qui est tout plastique, et ça on n'a pas le choix, et tout plastique en 110 degrés. Voilà. Sinon pour les buses traditionnelles, on va prendre plutôt des 80 degrés. Alors, l'incidence des 80 degrés sur la hauteur de pulvérisation, évidemment, c'est un peu le souci, hein, c'est qu'on est obligé de traiter un peu plus haut. Donc on souhaiterait assurer un minimum d'un double recouvrement et un optimum avec un triple recouvrement. Ça veut dire que si vous avez des appareils, c'est à peu près le cas maintenant partout, sauf option particulière, mais vous avez des buses tous les 50 cm sur la rampe, ça veut dire qu'une buse doit traiter 1,50 m au sol, où chaque point du sol doit être traité par 3 buses, c'est une autre façon de voir les choses. Alors, si on prend 150 cm, 1,50 m traité au sol, pour une buse en 80 degrés, il faut être à 90 cm de la cible, d'accord ? Et au minimum, il faut un double recouvrement minimum, il ne faut pas passer en dessous, c'est 60 cm. Donc voilà, ce n'est pas si haut que ça, 90 c'est un petit peu au-dessus, à 10-15 cm au-dessus de la table, et le 60, c'est 15 cm en dessous. Et il faut intégrer dans le réglage de base, il faut intégrer le fait
le mouvement de la rampe minimum, c'est-à-dire le fait que la rampe va bouger quoi qu'il arrive, on ne fait jamais zéro, même si on essaye de limiter les mouvements. Donc, il ne faut pas, avec le mouvement inclus, que ça descende en dessous de 60 cm. Alors 60 cm, c'est pas haut, quand on traite par terre, je vous promets que c'est largement assez bas, quoi. Hein, c'est pas vraiment une limite en soi. Alors pourquoi on va préférer les 80 degrés par rapport aux 110? Parce que la 110, il faut travailler autour de 50 cm, 60 cm, on est bien. Alors quand on a une végétation haute, pourquoi pas, mais quand on traite par terre, ça fait trop bas. Donc on va avoir tendance soit à taper par terre, soit à passer en dessous du minimum. Et encore faut-il d'ailleurs que l'appareil puisse la mettre à 50 cm du sol, ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment. Alors on va préférer les 80 degrés pour deux raisons. La première, c'est moins de bouchage. Vous avez ici un exemple, schématiquement on va dire, le profil d'un orifice en 110 degrés, qui est plus écrasé, plus pincé, qu'une 80 degrés juste en dessous. La 80 degrés donc va moins bloquer les paillettes, moins de bouchage, qu'une 110 degrés. Ça c'est la première chose, et c'est une galère de boucher. Hein. Enfin bref, je ne fais pas de dessin là-dessus, parce que tout le monde sait à peu près de quoi je parle, mais descendre pour déboucher une bulle, c'est quand même, bon une fois ça va, mais en général quand ça commence, ça se poursuit. Le deuxième élément, donc, c'est la dérive. Alors pourquoi la dérive? C'est qu'en gros, sur les deux extrémités, qui sont assez pincées, la pression à l'intérieur de la buse, à la sortie du jet, est plus importante qu'au milieu. Et la pression plus importante, ben, ça fait de la dérive. D'ailleurs, quand vous regardez un appareil qui vole un peu, le jet, on voit que les gouttelettes fines commencent à voler sur le bord du jet. Et c'est de là que ça part, et c'est lié au phénomène d'écrasement comme ça, et les deux extrémités donc, où la pression du liquide est plus importante. Voilà, donc 80 degrés avec des petites buses, c'est moins de galère. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors voilà, quand on arrive à travailler avec les 80 degrés entre 60 et 90, eh ben, on a une variabilité de l'épandage sur la largeur d'environ 2 à 3%. Hein, et quand on est au minimum du double recouvrement, ben, on est à peu près à 10% de variation sur la largeur. Donc ça, on l'accepte encore jusqu'à 10%, mais pas plus. Ça veut dire aussi que si on avait une rampe super stable, imaginons à l'idéal, une rampe qui ne bouge jamais, on pourrait baisser de 10% la dose. Enfin, c'est utopique, mais en réalité, c'est ce que ça veut dire aussi. Alors voilà, on est obligé de travailler avec ce type de matériel, parce que si on voulait des bus qui soient machin, des rampes qui ne bougent jamais, etc., là, on serait dans des coûts de matériel qui seraient insensés. Donc, les différents grands types de bus qu'on a sur le marché, hein, des bus standards, bon, ça, d'accord. Des bus basse pression, et on va travailler avec ça, notamment les XR T-Jet, parce qu'elles permettent déjà de limiter le risque de dérive en baissant la pression d'utilisation. Des bus à pastille de calibrage, c'était l'exemple de la DG tout à l'heure. Vous voyez le principe, hein, une pastille de calibrage à l'arrivée du liquide, une chambre de décompression, et à partir du moment où on baisse la pression, évidemment, c'est à ce moment-là qu'on arrive à faire des gouttes plus grosses, moins dérivantes. Voilà, c'est tout à fait logique. Hein. Et puis on a historiquement, l'antidérive injection d'air ou aspiration, effet Venturi, on peut l'appeler comme on veut, induction, voilà, avec un grand corps de buse, hein, assez long, et puis des aspirations, des trous d'aspiration. Le liquide, on travaillait à forte pression avec ça, le liquide arrivé à des vitesses élevées ici, crée une dépression, hein, et l'air était aspiré sur les bords par le jet, le liquide qui arrivait à grande vitesse. Et le mélange air eau se faisait, air bouilli se faisait dans le corps de buse avant de sortir. Alors, on nous a souvent expliqué, ce que j'ai essayé de vérifier, que ce mélange air eau faisait des gouttes remplies d'air, et qu'une fois que ça touchait la végétation ou la cible, ça rééclatait en petites gouttes. Donc on arrivait quand même à faire de la couverture. Bon, ça, j'ai jamais réussi à le faire. Hein. Pourtant, à mettre mes papiers sensibles sur du béton, donc sans rebond, une feuille encore va absorber de l'énergie, c'est encore pire, mais sur un truc très dur, ça ne rééclate pas. En gros, c'est un argumentaire, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, ça, ces buses-là, je le dis souvent comme ça, mais elles sont soit au musée, soit à la poubelle, soit sur le bon coin, au cas où, on ne sait jamais si on arrive à trouver quelqu'un pour les racheter, mais elles n'ont plus rien à faire sur vos appareils. Aujourd'hui, on a des buses anti-dérive, injection d'air, qui sont de meilleure qualité et qui font un calibre de goutte beaucoup plus homogène que ces buses-là à l'époque. Mais ça a été les premières, et donc de chez Lechler d'ailleurs. Et voilà. Alors ce qui nous intéresse, donc en gros, dans les différents types de buses, hein,
ça va être le papier sensible. Ça, la qualité de la buse, on la juge à ça. Pas forcément à la théorie, mais au moins à la pratique. Donc voilà, des buses à fente normale, voilà en gros ce qu'on est capable de faire. La couverture, donc le nombre d'impacts, le nombre de taches bleues, on va dire, relativement importante, ça donne des résultats corrects. Voilà, donc rien de particulier. On a quand même quelques grosses gouttes qui traînent, hein, vous voyez les gros impacts bleus là, qui peuvent éventuellement nous poser un peu de soucis au niveau de l'accrochage sur des végétations humides. Voilà, donc on va corriger un petit peu aussi avec des mouillants, des collants, etc. Mais là, on commence à avoir des gouttes un peu limites qui risqueraient de ruisseler en cas d'hygrométrie importante. Alors, les buses à dérive limitée, bah, on commence à grossir un peu le spectre, hein, il n'y a pas de secret. Hein. C'est les grosses gouttes qui dérivent moins, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de magie. Donc, on a plus de grosses gouttes qui vont éventuellement ruisseler. Et on perd un petit peu de la couverture. Hein, c'est la couverture, c'est le nombre d'impacts au centimètre carré hein, qui commence à chuter. Donc, on n'est pas forcément dans le bon compromis. Alors après, il y a des variantes. Voilà, une autre forme de buse, la TT, Turbo T-Jet. Cette buse-là va être intéressante parce que le spectre est plus homogène. C'est des buses qu'on a mis pas mal chez les gens qui roulaient très vite, donc les spracoupiculteurs à l'époque, utilisaient pas mal ça. Ça donne un peu de souplesse au champ. Quand on roule très vite, on a un problème, c'est de démarrer. Et quand on travaille à 2,5 bars en moyenne, c'est plus facile que de travailler à 1,5 bar en moyenne, parce qu'il faut atteindre sa vitesse pour avoir la bonne pression. Et donc du coup, ça prend plus de temps quand on roule très vite que quand on roule un peu plus doucement. Donc ça permettait d'ouvrir, on sous-dosait un petit peu, mais le champ était quand même traité à des pressions plus basses, mais dès le départ. Bon, après, il y a d'autres petites combines pour gérer ces entames de champ et ne pas trop perdre d'efficacité. Les buses à injection d'air, voilà pourquoi je vous dis que ces buses-là sont vraiment catastrophiques, il faut être clair, au niveau de la qualité de pulvée. En tout cas, elles ne sont pas adaptées au bas volume. Ça, c'est quelque chose qui est très, très clair. Autant si on met 300 litres d'eau, 200, 200, 300, on va arriver à faire une certaine couverture. Maintenant, on ne viendra pas traiter sur la rosée avec ça. Hein. Ça, c'est clair que trois quarts de la quantité d'eau ou de la bouillie va couler. Donc ça ne peut pas marcher. Et puis, en termes de couverture, si on est en bas volume, ça ne marche pas non plus. Donc, c'est limité à au moins 100 litres, voire plus, sans produit de contact dans la bouillie. Et voire 200 à 300 litres hein, si on a des produits de contact. Donc c'est quand même des grosses quantités d'eau, on n'est plus habitué. Et quelqu'un qui est aujourd'hui qui travaille à 80 ou 100, il ne va pas en remettre 300 demain, ça c'est sûr. En gros, ce qu'on est capable de faire quand on vous dit qu'il faut mouiller, c'est de doubler ce qu'on fait. Quelqu'un qui est à 50, il va mettre 100. Quelqu'un qui est à 80, il va mettre 150. Mais on ne passera pas de 50 à 300. C'est... Dans la tête, ça ne marche plus, ça marche pas. Alors après, il y a plusieurs types de buses, hein, des buses très filées, ou ça c'était pour l'azote, hein, la répartition de l'azote est quand même très intéressante avec cette espèce de grosse pluie. Ça peut marquer un petit peu les feuilles, la végétation, c'est-à-dire qu'on peut avoir vu du chemin un champ de céréales un peu jauni, un peu cramé entre guillemets, mais pour autant chaque plante touchée est peu touchée. Alors que sous un filet, quand vous avez un filet qui brûle, eh ben, s'il brûle, c'est la plante entière quasiment qui est morte. Hein. Voilà, donc c'est pas un problème, il faut travailler en pulvérisation un peu grossière, mais les 7 trous sont bien adaptés pour les épandages d'azote. Et je les montre aussi ici, parce qu'on peut aussi de temps en temps faire des produits racinaires, les racinaires systémiques, avec ce type de buse, quand les conditions ne permettent pas de faire autre chose. Voilà. Alors, je vais montrer un exemple avec un essai de chez Arvalis notamment, enfin 4 essais, pardon, où on a 3 volumes de bouillie à l'hectare, donc 150 litres, 80 ou 50 là-bas, et 2 types de buses, buses à fente classique et injection d'air, donc petite goutte, grosse goutte, hein, pour faire simple. Le désherbage à base d'emblème, donc du bromoxynil octanoate, donne des résultats identiques quand on est à 150 litres hectare, quel que soit le type de buse. On va perdre de l'efficacité de la buse antidérive quand on baisse les volumes d'eau à l'hectare. D'accord ? 80 litres, vous voyez, on commence à décrocher avec la buse antidérive. Et à 50 litres hectare, on a un décrochage qui est significatif. Alors pourquoi ? Hein, c'est la question à se poser, c'est pourquoi ça marche à 150 litres et pourquoi ça ne marche plus quand on descend à 50 ? Donc en gros, c'est lié au produit notamment, hein, l'emblème, donc le bromoxynil, produit de contact, qui brûle là où il touche.
Et évidemment, quand on baisse le volume d'eau à l'hectare, eh ben, on n'a plus suffisamment d'eau pour faire suffisamment d'impact. Donc on peut faire des brûlures sur des feuilles, mais on ne va plus tuer les plantes. Alors qu'avec beaucoup plus d'eau, eh ben, on va continuer à couvrir suffisamment pour détruire les mauvaises herbes. Donc voilà, le bas volume est incompatible avec les grosses gouttes anti-dérive en moyenne. En tout cas, avec les produits de contact, c'est certain. Voilà, donc ce qu'on va chercher, c'est un compromis au niveau de la taille des gouttes, hein, un compromis du genre 200 à 300 microns. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, mais concrètement, on est plutôt à 280, 270 jusqu'à 300. Si on veut faire plus fin, on a un souci, c'est de maîtriser les conditions d'application. Les gouttes très fines vont dériver très vite et s'évaporer aussi très vite. Donc à la limite en serre, on peut y arriver, mais quand on est à l'extérieur, on ne peut pas travailler avec des gouttes trop fines, c'est ingérable. Et puis les gouttes trop grosses, à l'inverse, elles vont nous poser problème, notamment de ruissellement, puisqu'on aime bien venir travailler le matin de bonne heure quand il n'y a pas de vent, et quand il y a de la rosée par exemple, ce n'est pas compatible avec la rosée. Donc on est sur ce compromis, taille de gouttelette relativement grosse, quand même, dans l'échelle des tailles de gouttes, autour de 300 microns. Et ça, on va le trouver donc notamment sur la XR. Voilà. Alors, la filtration, on en parle un petit peu. C'est-à-dire que, évidemment, que quand on met des petites buses, on a tendance à boucher plus. Et boucher plus, ça veut dire adapter la filtration. Donc, vous avez un tableau de correspondance entre la taille des gouttes, pardon, la taille des buses et le calibre de filtre qu'il faut en face. Il ne faut pas surfiltrer pour autant parce que ça fait forcer la pompe, on a du mal à monter en pression, mais il faut filtrer correctement pour ne pas boucher. Donc voilà, alors tous les appareils ne sont pas égaux devant le bouchage, hein, malheureusement. Un des premiers problèmes, c'est souvent un dépôt. Donc après le rinçage, vous avez des zones, soit des tuyaux courbés, soit des dépôts à droite à gauche au niveau des. Soit des buses, soit des porte-buses. Ils se déposent du produit absolument de partout. D'ailleurs, quand on rince un appareil avec, où on a traité avec un produit jaune, entre guillemets, donc du Prol ou du Challenge, ben on voit très bien qu'on rince une fois, deux fois, trois fois. Et si on rinçait quatre fois, cinq fois, six fois, on aurait toujours la couleur. Hein, c'est parce qu'il y a toujours du produit qui traîne dans l'appareil. Donc le bouchage, c'est quand même catastrophique. Je pense qu'il est. Voilà, on peut adapter un petit peu. C'est-à-dire, on a souvent les appareils à rampe, enfin à circulation standard, où le produit arrive dans la rampe et puis il sort tout ce qui arrive à la rampe va sortir au niveau des buses. On a donc souvent des bouts de tronçons. Alors les bouts de tronçons, c'est un problème parce que on accumule du dépôt. Hein. Quand on rince, c'est pareil. Hein. On met la machine en pression quand on rince et quand on rince, on pousse toujours le dépôt. Donc on ne le fait pas sortir comme ça. Donc la première chose. Dans un premier temps, c'est de mettre des robinets au bout, donc d'aller ouvrir systématiquement les bouts de tronçons. Alors c'est un petit peu fastidieux. Moi je conseille souvent, et c'est pas très compliqué à faire, mais c'est de faire une alimentation par les deux bouts. Il suffit de couper le tuyau, de mettre un T ou un Y, pardon, et puis on alimente des deux côtés. Et là, vous n'aurez plus de bouts de tronçons, vous n'aurez plus ce phénomène-là. Alors on augmente un tout petit peu, je suis d'accord, le volume mort, parce que la quantité de bouillie qui va traîner dans la machine, dans les tuyaux, mais globalement, ça se passe très bien et on a éliminé un problème de bouchage. L'avantage aussi, quand vous êtes dans des pentes ou dans des dévers, c'est-à-dire que vous avez une répartition de la pression qui est plus homogène, hein, en alimentant par les deux bouts comme ça, plutôt que de pousser en bas et que ça monte vers le haut, où là on peut avoir des problèmes d'équilibre de pression dans la rampe et les buses du bout qui coulent plus et puis celles du bas où la pression est suffisante et notamment plus forte. Voilà, donc ça c'est des trucs tout bêtes qui permettent de... Alors pourquoi les fabricants ne le font pas, hein, ils ne le font pas parce que ça coûte de l'argent. Voilà, en gros personne ne leur demande, donc ils ne vont pas s'embêter à faire ça. Et puis ils ont toujours l'argument du rinçage en disant bah oui mais ça fait des tuyaux en plus. Voilà, mais c'est largement compensé par le gain notamment sur les bouchages. Alors pour revenir au filtre, en gros, si on choisit une buse verte, il faudrait mettre un filtre vert. Voilà, c'est vert sur vert, c'est magnifique. Bon, après, ça ne marche plus. Hein. Si on a une buse jaune ou lila, c'est du 80 mailles, 80 mèches, et le filtre est bleu pour le code européen. Moi, personnellement, je déconseille d'avoir des filtres à chaque buse. Je préfère qu'on mette un filtre donc sortie de pompe, évidemment, hein, sur général. Et ensuite, éventuellement, si ça continue à boucher, éventuellement par tronçon, mais pas au-delà. Pourquoi ? Simplement parce que la buse, normalement,
on estime que pour, pas la buse, mais le filtre, il doit être vérifié régulièrement. Et en gros, quand on a un filtre par buse, on ne va pas les ouvrir à chaque fois pour savoir s'ils sont plus ou moins colmatés. Donc du coup, on va attendre que la buse ne coule plus du tout. Et avant de plus couler du tout, ben, au final, on a déjà un pré-colmatage avec un problème de débit par buse qu'on ne verra pas. Et donc, on va laisser courir ça. Donc voilà, alors c'est surtout Hardy qui monte des filtres à toutes les buses. Maintenant, ça commence à se terminer. En termes de qualité de pulvé, on aborde ça par la taille des gouttelettes. Et vous voyez très bien, vous savez pertinemment que malheureusement, les buses ne calibrent pas toutes les gouttes de la même taille. Ça, ce serait génial, parce que là, on pourrait maîtriser même du 200 microns. Mais à chaque fois que vous perdez 15, 20 ou 30 microns en moyenne, sur la moyenne de la taille des gouttes, on augmente de façon exponentielle les fines gouttelettes. Donc c'est un peu compliqué, mais on a deux données. Donc la première, c'est le VMD, volume moyen diamètre, ou volume médian, pardon, diamètre. Et puis, donc ça, c'est une machine qui nous donne ça, qui va donc sur 1 litre pulvérisé, dans la machine, elle va vous dire la moyenne de la taille des gouttes. Ça veut dire que 0,5 est pulvérisé avec des tailles de gouttes plus fines et 0,5 avec des tailles de gouttes plus grosses. Et en même temps, elle compte les gouttes. Donc c'est le NMD, Number Median Diameter, en comptant les gouttes. Donc je ne sais pas s'il y a 1 milliard de gouttes dans le litre. Eh ben, elle va vous dire il y a 500 millions de gouttes plus fines que la moyenne et 500 millions de gouttes plus grosses que la moyenne. Alors ça sert à quoi? Ça sert surtout à faire le rapport entre les deux. Entre la taille des gouttes moyennes en fonction du volume et la taille des gouttes moyennes en fonction du nombre. Et quand on fait le rapport du VMD sur NMD, on a la qualité de la pulvérisation. C'est-à-dire que si la valeur était à 1, ça n'existe pas, hein, je rassure tout le monde, ça n'existe pas. Mais si la valeur était à 1, en réalité, on aurait toutes les gouttes de la même taille. Alors au mieux, on a fait, avec le gyrojet de chez Technoma à l'époque, entre 1, 2 et 3. C'était assez formidable. Au niveau de qualité de pulvée, on a vraiment gagné à ce moment-là. Avec ces gyrojets. Malheureusement, c'est disparu maintenant aujourd'hui, mais c'était un outil quand même qui était certainement un peu trop en avance à l'époque, qui n'a pas trouvé vraiment son public. On ne pouvait pas faire d'azote avec, enfin, vous voyez, tout un tas de petites contraintes. Le besoin en électricité pour faire tourner ces moteurs était un peu gourmand. Les problèmes électriques n'ont pas. Enfin, à l'époque, les tracteurs étaient certainement un petit peu légers à ce niveau-là, et donc ça n'a pas pris beaucoup. Léger pinceau, donc c'est ce qu'on utilise essentiellement. Ça va de 2 à 8. Alors, 2 à 8, qu'est-ce qui fait la différence? Il y a le type de buse au départ. Évidemment, une buse antidérive sera plus grossier, plus variable en termes de taille de goutte moyenne. Mais la pression d'utilisation fait beaucoup. C'est énorme, la pression d'utilisation. Plus on monte en pression, plus on va exploser la variabilité autour de la moyenne. Donc il faut travailler en basse pression. Ça, c'est vachement important. Enfin, c'est très important. Voilà. Les buses type miroir, alors, elles sont réservées aujourd'hui quasiment à des applications sur des petits pulvérisateurs sur les semoirs, où on va traiter juste sur le rang, par exemple, avec ce type de buse-là. Voilà. Donc, en gros, l'usure des buses. Bon, voilà ici un exemple avec des photos donc d'une buse neuve, hein, où c'est relativement homogène, le profil est bon. La buse usée, alors, c'est intéressant de voir que la buse usée, elle ne s'use pas de façon homogène. Ça, c'est vraiment surprenant pour certains, hein, mais vous avez un passage préférentiel de la bouillie dans la buse qui fait qu'elle va s'user plus à certains endroits que d'autres. L'impact de ça, directement, ça va être un problème de répartition. Même si on sait gérer le débit en litre-hectare ou en litre-minute, on aura un problème de répartition sur la largeur. Donc une buse usée, à partir de 7-8%, 10% maximum, on va la mettre au rebut. Et quand on commence à changer une buse sur un appareil, en général, il vaut mieux changer la totalité. Puis ça, c'est une buse endommagée, donc qui a été matraquée, malmenée par un opinel ou par un bout de matériau plus dur que le corps de buse, en tout cas, et ça loupe pas, hein, c'est mortel pour une buse de faire passer des matériaux trop durs, ça c'est clair. Donc l'incidence de ça, bah, ça va être un problème de répartition aussi, un problème de débit, enfin voilà, là il n'y a plus rien qui va, on va avoir du surdosage ou du sous-dosage dans tous les sens,
Ça, c'est hors de question. Voilà, donc en gros, quand on bouche une buse au champ, l'idéal, c'est de ne pas changer la buse ou le corps de buse, c'est d'avoir un ensemble écrou, joint, tout prêt, propre. Ça, on peut le changer avec des gants, on ne se pollue pas les mains, etc. Alors qu'enlever un joint, enlever une buse, on pose ça sur le cadre, le joint, il se casse la figure, on le cherche pendant un quart d'heure, ça met les nerfs, etc., etc. Bon, voilà. Et puis, tranquillement, rentrer à la ferme, vous pouvez rechanger, vous pouvez nettoyer tout ça. Voilà, alors, ça c'était pour illustrer le choix des angles de pulvérisation, hein, entre 80 degrés ou 110 degrés. Là, vous avez exactement la même buse, 110 pour une XR T-Jet, donc basse pression, T-Jet 110 degrés ou 80 degrés. C'est la même buse, sauf l'angle. Et là, vous avez le pourcentage de gouttelettes fines, sensibles à la dérive, on va dire, créées par la buse. Donc, il y a 14% de gouttelettes dérivantes à 1 bar 5 pour la 110 degrés. Et pour le même débit, le même type de buse, le même débit à l'hectare, vous aurez 2% uniquement. En gros, une dizaine de pourcents de risque de dérive en moins avec les 80 degrés par rapport aux 110. Et ça, vous pouvez me croire, vous allez... Enfin, ça se voit, quoi. C'est pas du baratin, c'est vraiment concret. Voilà. Alors après, si on monte en pression, bah, l'écart restera le même, mais les XR vont plus être adaptés à des pressions aussi fortes. Alors, si on passe en anti-dérive injection d'air, pardon, en DG limitation de dérive, voilà, pareil, même comparaison. Quand on est en pression basse, mais en général on travaille à plus forte pression, l'écart est un petit peu moins important, mais bon, voilà, la 80 degrés reste un petit peu moins dérivante dans ce cas-là. Mais c'est surtout pour les buses XR où c'est important de ne pas se tromper, là, la 80 degrés est indispensable. C'est vrai, quand vous allez chez un vendeur de buses et vous demandez les 80 degrés, souvent la réaction est assez. C'est une réaction de surprise en tout cas, en disant mais ça se fait plus, ça se faisait il y a 30 ans, maintenant on est passé à autre chose, etc. En gros, je vous conseille fortement la 80 degrés parce que sinon vous aurez des soucis et des surprises. Voilà. Est-ce que la vitesse de traitement, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, augmente le risque de dérive? Évidemment, oui, parce que les gouttelettes fines vont avoir plus de temps pour tomber. Donc ça, c'est quelque chose. Et surtout, quand on accélère au champ, c'est plus de pression. Donc plus de pression égale plus de risque de dérive. Ça, c'est mathématique. Il n'y a pas de secret. Hop là. La hauteur de pulvérisation. Alors, en général, j'essaye de demander si vous savez, par exemple, le temps que va mettre une gouttelette à 300 microns pour passer de la rampe à la cible ou de la buse à la cible. Ça, alors, en gros, ça met à peu près une seconde pour tomber des 70-80 cm. Et puis, vous avez toutes les gouttelettes fines qui sont derrière, là, qui volent un peu, et qui volent même un peu beaucoup. C'est-à-dire que là, on a un problème, c'est que certaines gouttelettes sont au-dessus de la rampe. C'est-à-dire qu'au lieu de tomber et d'être attirées par le sol, elles commencent à monter. Et là, malheureusement, ces gouttelettes-là, elles sont perdues. Perdues en termes de traitement pour vous, et malheureusement, elles sont... vaporisées dans l'atmosphère, elles vont s'évaporer, l'eau va disparaître et la molécule va être dans l'air et c'est parti pour de la pollution atmosphérique du coup. On n'en parle pas trop de la pollution atmosphérique, mais en réalité ça c'est un phénomène qui est très très important. C'est-à-dire que voilà, la qualité de l'eau c'est une chose, mais la qualité de l'air c'est un deuxième élément. Et je ne sais pas si tout le monde sait que globalement depuis une bonne dizaine d'années maintenant, il y a des prélèvements d'air qui sont faits pendant les périodes de traitement autour de chez chacun d'entre nous et ils cumulent des données et on risque bien d'avoir un règlement là-dessus. Alors ça c'est lié aux conditions d'application, hein. C'est-à-dire que vous avez c'est un traitement d'après-midi visiblement qui n'est pas adapté. Là en l'occurrence ces gouttelettes-là, si c'était le matin de bonne heure avec de l'hygrométrie, elle serait attirée par l'humidité, elle serait attirée par le bas. Quand on traite le soir, on a un problème, surtout quand il a fait chaud la journée, on a un sol qui est réchauffé, l'air va se refroidir avant le sol, évidemment, il y a plus d'inertie dans les modifications de la température du sol, et un air plus frais qui tombe sur un sol chaud va se réchauffer et va remonter. Donc on a un courant d'air ascendant à ce moment-là, qui fait que ça emmène ces petites gouttelettes fines qui sont emmenées par l'air, elles sont emmenées dans ce courant d'air ascendant. C'est vraiment pas bon du tout pour personne. Donc soit il faut attendre très tard ou attendre le lendemain matin pour faire un traitement, c'est quand même pas plus mal. Ah oui, alors pour finir, c'est même celles qui tomberaient de ces gouttelettes-là, elles vont mettre 10-15 fois plus de temps, hein, 10 à 15 secondes par rapport à une seconde pour les gouttelettes de 300 microns,
elles vont mettre beaucoup plus de temps. Donc, plus de temps exposé à la dérive, plus de temps exposé à l'évaporation, etc. Donc, c'est quand même un souci. Hein. Alors, quand il fait chaud comme ça et qu'on n'a pas le choix, il faut faire des grosses gouttes, hein, qui aient de la masse, de l'énergie, qui savent garder l'énergie de la pression pour aller jusqu'à la cible. Donc, ça veut dire, à la limite, c'est anti-dérive. Il ne faut pas hésiter. Hein. Ça, c'est catastrophique. Hein. Bon, mais c'est ainsi. Évidemment, la taille des gouttes, bon, ça influence le risque de dérive, ça, il n'y a pas de secret. On parle souvent du vent, donc il y a l'aspect dérive, etc. Puis il y a aussi le maximum autorisé, donc aujourd'hui, c'est à peu près 19 km/h, 3 Beauforts. On n'a pas le droit de dépasser, ça c'est la réglementation, mais de toute façon, 20 km/h de vent, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un vent énorme, donc on ne sort pas naturellement avec 20 km/h de vent. Hein. Et quoi qu'il arrive, il vaut mieux un vent d'est qu'un vent d'ouest. Et je pense qu'avec des petites gouttes et en bas volume, jusqu'à 8-10 km/h, ça va. Au-delà de ça, ça commence à être un peu compliqué. Alors une chose qui est intéressante aussi, vous avez sans doute remarqué, c'est que quand il y a une grosse hygrométrie, on accède plus facilement du vent. Le vent a moins d'impact, on crée moins de dérives. Alors que quand l'hygrométrie n'est pas bonne, là directement, même 3-4 km/h de vent, ça va être très compliqué. Alors le phénomène, c'est qu'en tombant, les 300 microns, dans un air humide, vont rester à 300 microns. Donc elles vont garder leur énergie et elles vont pouvoir la garder en se confrontant à l'air. Alors que quand l'air est sec, très vite on perd de l'eau hein, et on va assez rapidement avoir des très fines gouttelettes qui vont être emmenées par le courant d'air. Voilà, en gros c'est le phénomène. Donc le vent, plus acceptable en bonne hygrométrie. Alors je passe sur ce tableau. Voilà, là c'est plus concret, donc c'est des papiers sensibles que j'avais fait un jour où il y avait un petit vent de travers, donc voilà, j'étais là pour faire ça, donc les conditions sont ce qu'elles sont, il y a du vent, bon, on a profité pour faire un peu la dérive. Et du coup, un vent moyen de 10 km/h, je dis bien un vent moyen, parce que malheureusement c'est toujours pareil, c'est jamais régulier, ou c'est rarement régulier du vent, donc c'est des bourrasques, des rafales. Hein. Ceci étant, ces trois papiers, les trois premiers sont faits sous la rampe, donc je mets mes papiers sous le jet. On a une couverture qui est relativement correcte, hein. Hein, au niveau du nombre d'impacts, ça va, on a quelques grosses gouttes, mais bon, c'est encore acceptable. Par contre, chez le voisin, on a une bonne pulvée aussi, quoi, hein. Donc ça, on a déjà cramé un mètre. Ça, de façon certaine, 3 mètres, si c'est du produit agressif, ça va aussi être un peu difficile. Jusqu'à 5 mètres, alors je ne sais pas si ça se voit bien, mais en tout cas, on a quand même quelques micro-gouttelettes qui vont assez loin. On est à 115 litres hectares avec des buses 110 degrés, donc 0,3. Ça, c'est le réglage de l'agriculteur. Le premier passage comme ça, je lui demande de passer comme s'il traitait dans ses champs. Je touche à rien, donc voilà. On a un vent moyen à 10 km/h. Donc, c'est quand même important, hein, la dérive. Hein. Alors, bon, je me dis, il y a du vent, on va mettre des antidérives. Donc, on met les antidérives. Donc, les limitations dérives DG, toujours 110 degrés et des vertes cette fois. C'est ce que j'avais avec moi. 70 litres hectares du coup, donc on a baissé le volume, même hauteur, même vitesse. La pression 2 bar 8 parce que je suis avec des buses anti-dérive, je me dis, je vais limitation de dérive, je vais mettre un peu plus de pression. C'est ce qui se fait en moyenne, hein. Et on a toujours ce vent en moyen à 10 km/h en plein travers. Alors là j'ai perdu en couverture, hein, énormément, donc la qualité de pulvée, ben, elle est en baisse. Par contre j'ai le bon calibre de goutte, finalement il est chez le voisin. Donc c'est pas top, mais ça veut dire quand même que même et malgré cette buse DG, limitation dérive, on a quand même de la dérive. Alors il aurait fallu baisser la pression, hein, sauf que ces buses-là, bah, c'est entre 2,5 et 3 qu'on travaille. Donc c'est pas adapté en fait. Hein. Du coup, ensuite j'ai mis des XR, donc basse pression, 80 degrés, et 0,15 toujours en vert. Là je suis à 1 bar 3, et la différence elle se fait là, essentiellement. 1 bar 3. La buse est 1 bar 3 au mano en plus, donc je suis peut-être à 1, 1,2, 1,25. Bon, en tout cas, il y a souvent une petite perte de pression entre le manomètre et la sortie à la buse. J'ai une qualité de pulvée qui est relativement correcte, d'accord ? C'est-à-dire que j'ai une taille de goutte homogène et je dérive un peu moins, même si j'ai peut-être de la chance ce jour-là, j'ai pas eu la bourrasque quand c'était cette buse-là, etc. Peut-être. N'empêche que je peux dire sans exagérer, je peux dire que je ne dérive pas plus qu'une buse à dérive limitée, soi-disant. Donc, et ce qui est essentiel, c'est de gérer la pression. Quand il y a du vent, vous baissez au minimum. Et donc cette buse-là permet d'aller jusqu'à 1 bar.
on baisse au minimum et on baisse la rampe. Hein, moins de temps d'exposition au vent. Voilà, c'est les deux choses. Normalement, si on ne peut pas traiter avec une XR, ça veut dire que les conditions ne sont pas bonnes. C'est-à-dire qu'il est souhaitable de ne pas traiter. Maintenant, le vent, il est ce qu'il est, il n'y en a pas en sortant de la ferme, il y en a au champ quand on arrive, etc. Il faut s'arranger avec. Hein. Et à l'extrême, on mettra une AIXR, une anti-dérive à injection d'air. Voilà. Donc ça, je passe sur un certain nombre de choses. Hein. Alors, un élément qu'on ne connaît pas toujours très bien, c'est l'évaporation. Même à 90 d'hygrométrie, on perd déjà 5% de la bouillie. Alors 5% de la bouillie. À 60 d'hygrométrie, j'aime bien ce chiffre-là parce que c'est celui qui est donné par tout le monde comme étant la référence minimum pour l'hygrométrie, etc. Ben, on perd 20 plus 5, hein, en réalité, 25% de la bouillie. C'est quand même phénoménal, quoi. Hein. Laisser traiter les gens à 60 d'hygrométrie, ben voilà, on évapore un quart de l'eau. Et à 30 d'hygrométrie, c'est plus 25, donc on est à 50%. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, faire du papier sensible à 5h du matin ou 5-6h et à midi ou 14h, c'est la traduction de ça en fait. On perd la moitié. Voilà. Alors bon, c'est vrai qu'on ne perd pas la moitié du produit, parce que c'est les fines gouttelettes qui s'évaporent, mais on perd quand même déjà du produit. C'est important. Alors évidemment, s'il y a température élevée avec une hygrométrie faible, là on accélère les phénomènes et du coup ce phénomène donc des gouttelettes qui passent au-dessus de la rampe, elles sont perdues pour tout le monde, malheureusement pas pour la pollution atmosphérique, mais voilà, c'est un phénomène qui est important et qui est vraiment maîtrisable en venant traiter le matin de bonne heure. Là-dessus, vous n'avez pas de souci. D'ailleurs, les gens qui le font, et vous êtes nombreux à le faire évidemment, ça se voit. C'est-à-dire on voit que la bouillie et les fines gouttelettes sont attirées par le sol quand on a de l'hygrométrie sur les feuilles. Enfin, ou de la rosée sur les feuilles. C'est vraiment à mettre en avant. Alors, ce tableau-là n'est pas inintéressant non plus. On est toujours sur une base de 200 microns, 300 microns. Là, on a pas de chiffre au-delà de 200, donc on va utiliser celui-ci. Traité donc avec des gouttelettes de 200 microns, dans une hygrométrie à 80 ou dans une hygrométrie à 50%. Le temps de vie, c'est-à-dire le temps où la gouttelette va rester liquide, c'est 200 secondes à 80 d'hygrométrie et c'est 56 secondes ici à 50 d'hygrométrie. Alors tout à l'heure je vous ai dit ça met à peu près une seconde pour tomber. Sous-entendu, 200 ou 56 c'est pas limitant finalement puisque la gouttelette a le temps d'atteindre la cible. Mais en réalité, il y a d'autres phénomènes qui vont intervenir et notamment la pénétration des produits dans les plantes. Si c'est des produits systémiques hydrosolubles, vous avez ici 4 fois plus de temps de vie en phase liquide que ici. Et ça, sur le taux de pénétration des molécules dans les plantes, c'est un élément important. Et on va même essayer d'augmenter ce phénomène-là avec des humectants, hein, essayer de faire durer la phase liquide le plus longtemps possible. C'est vraiment une clé, notamment pour les désherbants. Voilà. Donc, voilà. Puis après, si vous avez des toutes fines hein, qui traînent, hein, temps de vie 12 secondes, bon, ça va, ça permet de tomber. Par contre, distance d'extinction, ça veut dire la distance capable de parcourir cette gouttelette de 50 microns dans un air à 80%, c'est 13 cm. Donc, ça n'ira pas à la cible, hein, quoi qu'il arrive. Et évidemment, à 50% d'hygro, c'est encore pire. Temps de vie 3 secondes et demie. Donc là, même en temps de vie, ça n'a pas le temps de toucher. Et distance d'extinction 3,2 cm. Vous voyez que ça va pas loin. Voilà, voilà. Donc, pour conclure sur les buses, hein, on travaille prioritairement avec les XR, donc basse pression, alors Jetty Jet, hein, de toute façon, en gros, toutes les personnes qui parlent de qualité de pulvée ont tous la même conclusion, enfin, pour la grande majorité en tout cas. Au niveau qualité, on est sur la XR T-Jet, donc j'ai proposé des calibres de 0,15, donc la verte, 0,2 la jaune, 0,25 la lila, et puis, voilà, à l'extrême limite, la bleue en 0,3, toujours en 80 degrés, ça c'est important, avec des pressions de travail conseillées autour d'un bar 3, et quoi qu'il arrive, entre 1 et 1,7, 1,8, 1 bar 5 pour la 0,2, 1 bar 5 pour la lila, c'est la même pression, et 1 bar 75 jusqu'à 2 bar et demi pour la 0,3. Et puis en antidérive, puisqu'on est obligé d'en avoir et que autant prendre la moins pire de toutes. Et la moins pire de toutes aujourd'hui, c'est l'AIXR,
toujours chez T-Jet d'ailleurs, AIXR, donc c'est que du 110 degrés, hein, on n'a pas le choix, c'est du 110 degrés, tout plastique, hein, mais ça permet de faire un travail correct, une homogénéité de taille de gouttelette qui est meilleure que ce qu'on avait avant avec les Lechler, les longs modèles. Donc on va travailler avec ça, AIXR. L'autre avantage de l'AIXR, c'est que c'est une anti-dérive injection d'air basse pression. Hein, ça, chez T-Jet, la nomenclature, hein, XR ça veut dire basse pression et AI injection d'air. Ça c'est vachement intéressant parce que imaginons qu'on ait on a une jaune d'installer en XR sur son appareil, on traite en bonne condition, puis tout d'un coup le vent monte et on préférerait passer en AI. Si vous avez une AIXR basse pression, du coup vous pouvez garder vos réglages. Donc vous tournez les buses et vous gardez vos réglages. Avant on travaillait à 2 ou 3 fois plus de pression avec les antidérives. Ça permet de gérer ça, et donc vous terminez votre pulvérisateur avec les mêmes réglages, même vitesse, même pression, et du coup vous n'avez pas de problème de débit. Hein. Vous pouvez travailler correctement avec ça. Bon voilà, sans avoir à trifouiller dans les pressions, les vitesses d'avancement, etc. pour essayer de trouver le bon équilibre. Alors, ici on parle vraiment de la qualité de pulvé et de l'impact de la couverture, du nombre d'impacts au centimètre carré nécessaire par type de produit. Donc il y a des produits qui sont plus ou moins exigeants, en gros, hein, pour, au niveau de la qualité de la répartition de la bouillie sur la plante. Les produits les moins exigeants en qualité de pulvé, on va retrouver évidemment, alors, insecticides systémiques, il n'y en a pas de très nombreux aujourd'hui, les herbicides de prélevé surtout, ce qu'on appelle les racinaires post-semi-prélevés. Évidemment, quand on met un produit au sol, ce qui va le répartir après, ça va être surtout la pluie, la pluviométrie. Que vous mettiez ça à 20 litres, 30 litres ou 100, ça ne change rien. C'est pas ça qui va faire marcher le produit. Par contre, traitez pas trop bas en volume de bouillie avec des gouttes fines qui vont s'évaporer, surtout si le sol est sec. Quand le sol est sec, évidemment, on va perdre plus de matière active. Mais bon, au niveau de la qualité du pulvé, de la pulvérisation, ça va être 25-30 impacts ou 20-30 impacts. Et puis vous avez alors Roundup, c'est pas que le Roundup, c'est les glyphosates en général, qui eux sont aussi marchent mieux à la limite quand ils sont concentrés dans moins de gouttes et avec moins de couverture. C'est vraiment un produit un peu particulier. Et ce qu'on sait aussi, c'est que moins il y a d'eau, mieux c'est. Hein, le glypho, moins il y a d'eau, plus il fonctionne. Donc ça, faut pas hésiter à le faire en bas volume. Et c'est d'ailleurs un des seuls produits qu'on conseille, que je vous conseille, en buse anti-dérive et peu d'eau à l'hectare. Donc une cinquantaine de litres avec des buses anti-dérive, c'est parfait pour le glypho. Évidemment, puisqu'il est dégradé en partie ou bloqué en partie par l'eau, moins il y a d'eau, moins il y a de bloqueurs, et donc plus vous garderez de matière active, en gros. Des produits intermédiaires en termes de qualité de pulvée, donc 30 à 50 impacts au centimètre carré. Là, on a toute la gamme des pyréthrinoïdes de synthèse, un contact et ingestion, toutes les pyrètres donc. Les herbicides de post-levée systémiques, ceux qui vont sur des plantes sorties déjà, rentrées par les feuilles et circuler dans la sève. Des produits de post-levée pénétrants, hein, ils vont moins circuler dans les sèves, mais ils rentrent dans la plante pour travailler. Et en gros, toute la gamme des fongicides systémiques, hein, ceux qui rentrent dans les plantes, qui vont être véhiculés par la sève aussi. Et puis les produits qui sont très exigeants en couverture, ben c'est tout bêtement des produits de contact. C'est relativement évident, mais que ce soit des herbicides comme la carfentrazone par exemple, le bromoxynil, on l'a cité tout à l'heure, ces produits-là sont impactés par la couverture. Il faut toucher un maximum de surface de feuilles. Les herbicides foliaires racinaires de contact, là on est aussi sur des produits racinaires avant la levée des mauvaises herbes, mais ils vont agir, ils vont se fixer dans le premier centimètre du sol, ils vont y rester et ils vont contaminer. Et la plantule va se contaminer, elle, en traversant cette zone où il y a la matière active. Et ça, pour ça, il faut une répartition quasiment identique à un produit foliaire. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant. C'est important de connaître, quand on met un produit en post-semi, prélevé, de savoir si c'est un racinaire systémique ou un racinaire de contact. Voilà. Et puis toute la gamme des fongicides de contact, alors je vais citer le chlorothalonil, évidemment, c'est le plus connu. Alors, pour réaliser cette couverture en nombre d'impacts ici, 20, 30, 40, 50, imaginons qu'on prenne un fongicide à 40 impacts au centimètre carré, ça c'est ce qu'il faut donc pour qu'il fonctionne, et que je fais une pulvérisation entre 250 et 300, on est à peu près... Ici, il faut à peu près une 40 à 50 litres hectare pour réaliser nos 50 impacts
ou 40, donc 32 litres, 33 litres pour faire 40 impacts. Voilà, avec des gouttes relativement fines, on peut faire de la couverture avec peu d'eau à l'hectare. Quand on vous dit des fois, pour ce produit-là, il faut mouiller, il faut mettre de l'eau, etc. Ben en fait, il faudrait plutôt qu'on vous dise, il faut telle quantité d'eau avec telle buse et telle pression. Parce qu'en réalité, c'est ça la qualité, c'est pas uniquement le volume d'eau. Si on sort avec des buses antidérive à 450 microns, ce qui est à peu près la moyenne d'une buse antidérive standard, pour faire nos 40 impacts, il nous faut 200 litres à l'hectare. Donc c'est pas suffisant de dire faut mettre de l'eau, il faut aussi dire avec quelle taille de goutte, parce que sinon c'est pas, on peut se tromper et passer au travers. C'est-à-dire mettre 100 litres par exemple quand on est à 50, en pensant que c'est mettre beaucoup d'eau, c'est vrai, mais ça peut être largement insuffisant avec une taille de goutte à 450 microns. Voilà en gros. Hein. Donc ça vous donne un petit peu l'enjeu et ça nous permet de comprendre pourquoi ça peut marcher aussi en bas volume. Le bas volume c'est pas du hasard, c'est pas la concentration. Ce qui fait marcher une matière active sur une plante en désherbage, c'est d'abord la quantité de matière active sur la cible et dans la plante. Donc on va essayer d'optimiser tous les postes pour le faire rentrer, pour que le produit marche bien, etc. C'est pas simplement la concentration. Et heureusement que c'est pas la concentration qui marche, qui fait marcher le bas volume, parce que quand vous traitez sur de la rosée, par exemple, sur une rosée, il y a déjà 500-600 litres d'eau sur les plantes à l'hectare. Il peut y avoir jusqu'à 10 000 litres d'eau par terre à l'hectare. Hein, mais sur la plante, sur la mauvaise herbe, sur la plante, il y a déjà 500-600 litres qui sont sur les feuilles. Donc si votre produit, quand vous l'amenez à 50 litres, il est déjà dilué dans 500. Donc forcément, enfin, heureusement que ce n'est pas un problème de concentration, sinon on ne pourrait pas traiter par la rosée, quoi. Voilà. Alors, le nombre d'impacts au centimètre carré, c'est vraiment la taille des gouttes. Ici, il y a un papier sensible, un premier, qui est fait avec une pulvérisation à 20 litres hectare. 20 litres hectare, ça ne fait pas lourd, d'accord ? Et des gouttelettes de 200 microns. 20 litres hectares à 200 microns, on arrive à 129 impacts au centimètre carré. Si on fait la même pulvée, toujours à 20 litres hectares, avec du 300 microns au lieu de 200, on passe à 40 impacts. Donc on est très vite sanctionné en couverture. Hein. Et si on continue à grossir la taille des gouttes en allant vers l'antidérive, toujours avec nos 20 litres hectares, ben on passe à une quinzaine, enfin entre 15 et 20, impacts au centimètre carré. Donc là, ça peut commencer, ça commence à être limitant pour beaucoup de produits, ça. Hein, ici, on est limitant pour les produits de contact, mais tous les systémiques, ça peut quand même aller. Et puis là, on est limitant pour rien du tout. Sauf que la difficulté qu'on a, c'est de contenir, maîtriser cette pulvérisation avec une moyenne de 200 microns. Ça, c'est ça la difficulté. Voilà. Donc en gros, ça, c'est très compliqué à faire. Et ça se trouve souvent dans des périodes assez courtes de la nuit où on peut travailler comme ça, quoi. Hein, donc ça va limiter ce qu'on appelle les fenêtres de tir. On va avoir très peu de temps dans la journée et dans la nuit essentiellement pour bien travailler. Voilà, donc ça, bon, je vais passer. Oui, alors pourquoi T-Jet, hein, quand on fait un petit peu le tour des différentes marques sur les différentes buses, malheureusement, on ne trouve pas, en bas volume en tout cas, de buses adaptées. On l'a trouvé uniquement pour l'instant, en tout cas, chez T-Jet. Ici, vous avez un exemple avec des Albuses AXI, donc c'est limitation de dérive aussi, c'est un petit peu le même que la XR, hein. En tout cas, le fabricant l'annonce comme tel. Quand on prend une verte ou une jaune, à 2 bars par exemple, on est à 150 microns en moyenne. Je l'ai dit plusieurs fois, mais 150 microns, vous ne savez pas les tenir. Donc ça s'évapore et ça dérive tout de suite. Donc c'est pas du tout adapté au bas volume, en fait. Après, ce n'est pas des mauvaises marques, il n'y a pas de mauvaises marques en soi, mais il y a des marques qui sont adaptées ou pas à telle utilisation et à un type de travail ou à un autre. Donc voilà, c'est pour ça que bon, des fois je suis un peu, entre guillemets, cassant sur des marques, mais il faut bien comprendre, ce n'est pas pour casser la marque en soi, c'est vraiment pas adapté au bas volume, point barre. Voilà, j'en resterai là. Alors, c'est un phénomène qui est intéressant à connaître, au moins pour le principe, c'est que quand on divise la taille d'une goutte par deux, je passe de 500 à 250 ou de 600 à 300, avec le même volume d'eau qu'il y a dans une seule goutte, si je divise la taille des gouttes par deux, j'en fais 8 à la place d'une. D'accord ? Donc ça, c'est un phénomène qui est intéressant, qui permet aussi de comprendre pourquoi on arrive à faire du bas volume et pourquoi ça fonctionne. C'est pas je divise par deux, j'en fais deux pour une, j'en fais 8 à la place d'une. Et ça, c'est un phénomène intéressant et la cerise sur le gâteau, souvent, je couvre deux fois plus de surface de végétal, toujours pour la même quantité d'eau, en faisant des gouttes deux fois plus petites. Voilà, en gros, ce phénomène-là, alors c'est lié au volume de la sphère, hein, la formule du volume de la sphère,
C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est très intéressant. Les gouttelettes deux fois plus petites, elles sont aussi plus légères, plus faciles à s'accrocher sur la végétation. Enfin, il y a plein d'intérêts, quoi. Enfin, honnêtement, c'est tout à fait intéressant. Simplement, il faudra pulvériser ça sans vent et avec de l'hygrométrie. Voilà. C'est ça le système. Ça, tout le monde connaît ce truc-là, ce petit schéma. Bon, les différents leviers pour la taille des gouttes, hein, vous avez le choix de la buse à l'origine, hein, plus l'orifice est petit, plus la goutte est fine, hein, plus la goutte qui en sort est fine. Et le plus gros facteur, ça va être la pression, hein. Quand on augmente la pression, on affine la pulvérisation, et quand on baisse la pression, à l'inverse, on va baisser la taille des gouttes. On va augmenter, pardon, la taille des gouttes en baissant la pression. L'angle de pulvérisation, hein, donc les 110 degrés font plus fin que des 80 degrés, ça c'est général. Et puis le type de buse à l'origine, évidemment, hein, quand on arrive avec une double fente pour faire du 80 litres, ben, en fait on a deux orifices à 40 litres. Donc ça commence à être compliqué aussi. Et la double fente en soi n'amène pas une qualité de pulvérisation supérieure. Elles sont souvent chères, d'abord. Deuxièmement, les risques de bouchage avec deux orifices petits, enfin en tout cas c'est compliqué de faire du bas volume avec une double fente. Et si on veut l'utiliser correctement, conserver l'avantage des deux angles, des deux jets face à l'avancement, il faut rouler à 3-4 km/h, vraiment pas vite, et pas trop haut de la végétation, sinon c'est pareil, ça finit par s'éteindre. L'énergie dans la goutte, dans les gouttes fines en plus, ne reste pas ad vitam. Donc c'est des buses qui ne nous servent à rien en gros, quoi. Voilà. Elles peuvent être utiles à la limite à faire des gros volumes, hein, si on fait 150 litres, 200 litres. Et avec des tailles de gouttes fines, voilà, ça peut permettre ça. Mais en tout cas, en bas volume, c'est pas la peine. L'intérêt sur les fusas EPI et compagnie, tout ça, vous oubliez. Il vaut mieux passer deux fois dans le champ, à la limite, à une demi-dose de chaque, à des journées différentes. Parce que ce qui est prioritaire dans le positionnement de la gouttelette, c'est pas le sens d'avancement, c'est pas la vitesse, c'est le sens du vent. Dès qu'il y a un léger courant d'air, quand on fait du papier sensible pour simuler un EPI, c'est toujours la même, avec le même vent, c'est toujours la même face qui est couverte, même si vous passez dans l'autre sens. Donc ça sert à rien non plus de passer dans l'autre sens le même jour. Enfin, voilà, vous faites le tour dans un sens, vous refaites le tour dans l'autre, ça c'est pas utile. Il faut le faire à quelques jours d'écart, en tout cas avec un vent différent, surtout. Alors maintenant, on arrive. Alors, il y a certains fabricants, hein, qui nous sortent des buses. Bon, là, c'est E-Jet aussi. Hein, on s'approche du micron, la taille de la goutte. Hein. Accrocher une gouttelette d'un micron sur une feuille, ça commence à être compliqué. Hein. Mais l'antidérive prioritaire, hein, dans l'esprit de la réglementation souvent, etc., ben voilà. Et pour les Belges aussi, et vous avez une nouvelle réglementation, là, en Belgique, il faut des buses à 50% de réduction de dérive minimum, et pour certains produits, 75, voire 90. Pour les Allemands, c'est 90, hein, etc. Donc c'est compliqué, et donc vous avez des listes positives, si on prend en Belgique aujourd'hui, c'est quand même... une contrainte, hein, la possibilité de choisir ses buses est fortement restreinte, hein, vous n'avez plus le choix, c'est quasiment que de l'antidérive, quoi. Donc voilà, on n'en est pas là en France, mais on s'en approche aussi, on verra. Règlement. Alors on va attaquer le deuxième chapitre, qui est, je vous le rappelle, le plus important, hein, les conditions d'application. Donc je vais faire un résumé assez vite de tout ça, mais globalement, l'impact du sol sur les produits racinaires, tout le monde comprend. Si le sol est sec, le produit racinaire ne peut pas marcher. Et vous allez en perdre beaucoup si vous l'appliquez, pour le coup, sur un sol sec. Ce qui est moins évident, c'est que même pour un produit foliaire, il faut un sol humide. Alors, dans la mesure du possible. Pourquoi ? Ben, en gros, quand le sol est humide ou frais, on a la plante qui vit dessus, qui est physiologiquement active. Et quand vous mettez un fongicide, par exemple, systémique sur une feuille, admettons qu'il rentre dans la plante parce que les conditions sont correctes, très bien. Simplement, si la plante est au ralenti parce qu'il fait trop chaud, trop froid, et surtout s'il n'y a pas d'eau dans le sol, la circulation du produit sera absente ou très limitée. Donc son efficacité sera aussi très limitée. Le sol humide, c'est un critère, si possible, prioritaire pour les applications, quel que soit le produit. Voilà. Bon, on peut mettre à part quelques insecticides, des choses comme ça, mais dans les gros produits, désherbage, fongicides, tout ça, c'est sol humide obligatoire. Voilà, enfin obligatoire.
On va évoquer la réceptivité de la plante. Ça, pour les désherbants foliaires, c'est essentiel. L'hygrométrie est essentielle par rapport à la caractéristique de la cuticule. La cuticule va se gonfler, se dilater, s'imprégner d'humidité. Donc l'eau va pénétrer à l'intérieur. Et cette eau-là permettra à la molécule de pouvoir migrer. Si la cuticule est sèche, ben, ça ne peut pas migrer. En tout cas, c'est très lent. Donc on a beaucoup de pertes. Le stade des plantes, évidemment, stade jeune préférentiel, sauf quelques exceptions, mais enfin, ça va être plutôt ça. Et puis, on verra quelques éléments climatiques dans le détail. Voilà. Donc, le sol, évidemment, importance prioritaire donc, sur les différents produits. Et je vous disais tout à l'heure, il faut arriver à distinguer les vrais systémiques, ceux qui vont être véhiculés par l'eau dans la solution du sol, réabsorbés par des racines, etc. Ça, c'est des quantités d'eau, selon le type de sol, entre 15-20 mm jusqu'à 30-35 mm pour les faire fonctionner vraiment. Tant qu'on n'a pas eu ces quantités d'eau-là, ce n'est pas suffisant. Donc on est à des incertitudes en termes de volume d'eau du type 150-200 litres d'eau à l'hectare. Donc que vous l'appliquez avec 20, 30, 50 ou 100, ça ne change rien sur le résultat final. C'est préférable de mettre un peu d'eau quand le sol est sec, pour fixer plus de matière active, plus de produits sur les colloïdes du sol avant qu'ils soient détruits par la lumière, par la température, etc. Ça, c'est un élément intéressant quand même. Sol frais, mais après les quantités d'eau, c'est des grosses quantités. Et puis les produits de contact, bah eux, ils ont besoin de 3-4 mm. Un sol humide, ça suffit. Une grosse rosée, ça peut suffire pour les fixer et c'est tout. Ils vont rester en surface et ils vont contaminer les plantes quand elles vont traverser cette couche de produits. Les produits systémiques, alors je citais les urées substituées, donc l'iso, il n'est plus là, mais il reste le chlortoluron par exemple. Vous avez aussi tout ce qui est métazachlore, esmétolachlore, les bases butisants, novales, etc. Les désherbants colza, entre parenthèses, j'aurais tendance à dire les anciens désherbants colza maintenant, parce que ça va bientôt changer, mais pour l'instant ils sont toujours là. Le vanzard pour un betteravier, par exemple, c'est des produits racinaires systémiques. Et puis dans les matières actives doivent passer dans la solution pour être absorbées, d'accord. Par contre, on a un autre problème, c'est que s'il pleut trop, c'est aussi problématique. Si je reprends mon chlortoluron, par exemple, il a ce qu'on appelle une sélectivité de position. C'est-à-dire que certes, il faut qu'il soit fixé dans le sol, il faut qu'il descende dans la solution, mais s'il arrive au niveau de la graine pendant la phase de germination, là, il y a des problèmes de sélectivité. Pas facile à gérer du tout pour ces produits-là. On vit ça aussi avec les Fussbury, Trooper et compagnie depuis quelques années, et puis pour quelques années encore pour désherber correctement. Les graminées. Ça, c'est un problème. Alors, l'ajustement de la dose, c'est très difficile. C'est-à-dire que ce n'est pas sur ces produits-là, les racinaires systémiques, ou même les racinaires de contact, qu'on va pouvoir vraiment réduire les doses. C'est malheureusement souvent des grosses quantités de matière active, d'ailleurs, parce qu'il faut de la rémanence, il faut du temps d'action. Et donc, à partir du moment où vous lâchez le produit dans la nature, enfin sur vos parcelles, la dégradation commence. Donc la disparition du produit commence. Et on a besoin de protéger, enfin de gérer toute la partie avant la couverture du sol, en gros. Donc si le sol met du temps à couvrir, bon, on peut avoir des soucis d'efficacité de ces produits-là. En tout cas, on a peu de marge sur la dose de produit. La seule marge qu'on ait, ça peut être la CEC du sol. Donc capacité d'échange en cations, pour gérer à la fois l'efficacité mais aussi la sélectivité. On a des modulations de doses qui vont de 1 à 1,2 litre par exemple sur des sols filtrants. Je dirais à l'extrême, c'est des sables, où là, effectivement, si on en met trop, on a un problème de sélectivité. Et à l'autre bout de l'échelle, on va dire, sur les CEC très fortes, j'ai mis la tourbe en exemple, c'est l'extrême, la tourbe. Là, même la dose pleine maximum autorisée n'est pas suffisante pour l'efficacité. Il va falloir associer pour ces deux extrémités, pour avoir une efficacité complète ou correcte sur les mauvaises herbes, il va falloir associer ces produits racinaires par des foliaires, etc. Alors, dans des CEC moyennes, entre 15 et 20, là, on a la possibilité de les faire fonctionner un peu plus correctement. C'est aussi les produits qu'on essaye de limiter ou d'éliminer.
Alors le cas du chlorto, c'est compliqué, parce que les problèmes de graminées aujourd'hui sont complexes. On n'a plus de produits foliaires quasiment qui fonctionnent, donc c'est vraiment une problématique. Mais toutes les autres cultures, on va essayer de les éliminer. En maïs, on élimine les racinaires. En tournesol, on va les éliminer. En pois, en soja, enfin voilà. On va éliminer tout ce produit-là parce qu'on ne gère pas la matière active, la quantité. Et du coup, on préfère travailler à la levée des mauvaises herbes avec des petites doses. Et on va revenir une fois, deux fois, peut-être trois dans certains cas, mais voilà. En éliminant ces grosses quantités de matière active. C'est là où on fait le plus gros effort et où on élimine les quantités importantes. Donc, on est toujours sur les racinaires, mais là, pour les produits de contact. Donc, je cite quelques exemples, hein, le 107, par exemple, le prole, hein, la pendimethaline, hein, on n'a pas forcément l'idée que c'est un produit de contact. Voilà. Donc, pour ces produits-là, on avait le challenge aussi qui agit comme ça. Celui-là, il est plus connu pour faire cette espèce de film. Tout le monde, voilà, il fait un film. Alors, il ne fait pas tout à fait un film, mais l'image n'est pas mauvaise. Cette idée du film, d'ailleurs, vous indique que ça, c'est des produits qui se mettent après un roulage éventuellement, mais certainement pas avant. Hein, sinon, vous allez casser, entre guillemets, le film et vous allez passer à côté du traitement, hein, efficace. Les quantités d'eau nécessaires sont moins importantes, on n'est plus sur des 30 ou 25 ou 15 mm, on est sur 3-4 mm, histoire d'avoir un sol humide, et pour le fixer, ça suffit. Voilà. On a un problème avec les mottes aussi. Si vous avez un sol motteux et que vous appliquez ce type de produit avec votre pulvée, vous allez avoir des zones d'ombre derrière les mottes. Donc c'est bien de rouler avant et de poser le produit derrière, ou alors, si vous ne voulez pas casser les mottes, si vous ne pouvez pas, vous allez doucement, c'est-à-dire vous faites une pulvée assez droite derrière, votre pulvérisateur sans aller trop vite, sinon vous aurez donc moins de zones non traitées, on va dire, derrière les mottes. Voilà, ça c'était pour les produits racinaires. Maintenant la feuille, alors beaucoup de produits sont foliaires, donc on va insister un petit peu sur la réceptivité de la plante, hein, notamment pour les désherbants. On utilise beaucoup ces produits systémiques ou pénétrants ou translaminaires, peu importe, soit pour détruire pour les herbicides, soit pour protéger comme un fongicide ou un insecticide. Alors, premier problème, il faut que la bouillie qu'on pulvérise, que les gouttelettes qu'on pulvérise s'accrochent et tiennent sur la feuille. Ce qui n'est pas forcément évident, puisque les cuticules sont des organes hydrophobes, donc qui ont tendance à rejeter l'eau, notamment quand elles sont cireuses. De l'eau sur de la cire, ça coule, voilà. Donc ça, c'est le premier problème. Et les pores de feuilles sont des fois aussi dressés. Quand vous traitez une graminée, par exemple, la feuille est droite. Puis, il y a une courbure, mais on a du mal à faire tenir la bouillie là-dessus, quoi. Donc, dans la formulation du produit, ce n'est pas toujours optimisé, ça. L'adjuvantation pour faire coller, etc. D'autant plus si vous baissez les doses. D'accord ? Donc, ça, c'est un souci. Premier problème. Donc, la présence de cire sur les cuticules va augmenter ce phénomène-là. C'est un premier obstacle important. Donc, les caractéristiques des feuilles et des cires, notamment, sont différentes selon les espèces. Vous avez des espèces cireuses qu'on appelle généralement peu mouillables, d'accord ? Ou vous avez des espèces qui sont plus cireuses. Quand on est sur une espèce cireuse, l'âge de la plante ou l'âge de la feuille va impacter aussi la quantité de cire. C'est-à-dire, plus la plante vieillit, plus la feuille est âgée, plus elle est épaisse et plus elle se développe, etc. D'accord ? Et puis, le climat va influencer aussi de façon assez forte, donc ces phénomènes de rejet par la cire. Alors, les formulations des produits également. L'alchimiste, il n'a pas toujours le choix. Si il a créé une molécule qui est soluble dans l'eau ou des solvants très légers, on appelle ça une formulation aqueuse. Du coup, sa molécule, elle est dans cette formulation-là. Et on est obligé de faire avec. Il n'a pas le choix. Ça, c'est des formulations donc, dans l'eau, pour faire simple. Qui s'accroche très mal sur les feuilles. Voilà, c'est de l'eau quasiment pure, et donc ça a tendance à dégouliner facilement. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que la molécule qu'on amène là-dedans est donc forcément, par définition, hydrosoluble. Elle est soluble dans l'eau. Et du coup, chimiquement, elle a peu d'affinité avec la cuticule. Les organes cireux sont des organes lipidiques. Et du coup, le transfert des molécules par osmose, parce que c'est un phénomène d'osmose, hein, qui fait que la molécule va passer de la bouillie concentrée à 100% vers le milieu en dessous, là où ça touche, pour aller à l'équilibre. D'accord ? Donc ça va se faire très lentement, ou très mal. Alors comment repérer ces formulations-là ? Une des façons assez simples, c'est de regarder l'étiquette
souvent sur l'étiquette, c'est marqué 5-6 heures sans pluie. Voilà. Pour des produits comme de ce type-là, c'est comme ça. Autre élément qu'on peut faire simplement, c'est de rajouter un collant ou rajouter de l'huile. Quand on amène de l'huile sur une cire, on fait fondre la cire, en gros. Et donc, du coup, ça devient plus facile à la molécule ici de pénétrer dans la cuticule. Voilà, c'est notamment le cas des antigraminées. Les antigraminées, on met toujours de l'huile. Un antigraminé foliaire, on met de l'huile avec. Et même quand la formulation en contient, on en rajoute quand même. On aime bien. Et puis, à l'autre extrémité, on a des formulations plus huileuses. Alors, de façon simple, on va dire que là, c'est plutôt les fongies là-bas, et là, c'est plutôt les désherbants. Mais voilà, quand on amène un produit huileux où l'huile est dans la formulation, on n'a pas de problème d'accrochage. Chimiquement, il y a une affinité entre la cire et l'huile. Du coup, ça s'accroche facilement. Et deuxième élément, les molécules qui sont formulées ainsi sont liposolubles, d'accord ? Donc solubles dans les huiles, et du coup, elles passent facilement la barrière cuticulaire, sans difficulté. On n'a pas besoin en tout cas, on a moins besoin d'hygrométrie. On a besoin pour ne pas évaporer, machin, on revient sur le sujet d'avant. Mais globalement, chimiquement, ça c'est plus facile. Donc c'est plutôt des fongicides. Et là, c'est marqué, donc sur les bidons, ça va être marqué une heure sans pluie. Voilà, un minimum, histoire d'eux, mais ça peut être même 10 minutes. Le temps que ça touche et que ça sèche, c'est terminé. Alors une feuille, ici je vous ai mis une coupe de feuilles de plantes vertes, qui est structurée de la même manière pour toutes les plantes. Vous avez donc la cuticule qui est en surface, des cellules épidermiques juste en dessous, des parenchymes qui font la rigidité des plantes ou des feuilles. Ensuite, on a tout ce qui concerne la circulation des plantes, et puis on va retrouver à peu près la même chose sur la face inférieure. Et tout le monde, alors quand je parle d'absorption de produits ou de pénétration de produits plutôt, tout le monde me cite les stomates souvent. Hein, les stomates, il faut que les stomates soient ouvertes, que le produit rentre, machin. En gros, hein, déjà les stomates, vous voyez ici, vous en avez une, etc., des chambres stomatiques. Elles ont toutes, quasiment toutes, en tout cas majoritairement, elles sont avec un accès sur la face inférieure. Simplement parce que c'est un organe de régulation avec l'ostiole, donc qui est la cellule qui va faire ouverture, fermeture des stomates. Cet ostiole, en donnant sur la face inférieure, c'est plus tempéré que la face supérieure qui est exposée au soleil ou aux éléments. Donc la face inférieure, ça permet à la cellule de l'ostiole de moins avoir à bouger en permanence, si je peux m'exprimer comme ça. Alors heureusement que les produits ne rentrent pas par les stomates, hein, parce que traiter sous les feuilles, c'est pas évident, hein, d'accord ? Je le dis comme ça des fois, mais à part un lundi matin où vous avez un peu la tête en bas, ça peut arriver, mais sinon, c'est compliqué. Donc en fait, les stomates n'ont absolument rien à voir dans la pénétration des produits dans les feuilles. Le produit est fabriqué, conçu pour rentrer de façon active au travers des cuticules. Ce n'est pas la plante qui absorbe, c'est le produit qui rentre. Il force. Ça permet de comprendre aussi pourquoi on travaille la nuit, etc. On l'entend aussi ça des fois. Hein. C'est-à-dire, ouais, mais la nuit, t'es sûr enfin, les échanges ne sont pas les mêmes, ça va dans la photosynthèse, elle est inversée, machin. Mais en réalité, on s'en moque de ça. Le produit, de toute façon, lui, il force le passage, il rentre. Et il rentrera mieux la nuit, parce que, enfin la nuit ou au petit matin en tout cas, parce qu'il y a de l'hygrométrie. Alors, si on regarde de façon schématique la cuticule, alors c'est un empilement comme ça de pectine et de cellulose hein, qui se superposent. Et on va trouver, simulé en noir ici, les grains de cire en surface. Donc quand elles sont en surface, les cires, c'est épicuticulaire. Et de temps en temps, il y en a entre les feuilles ou les feuillets de pectine et de cellulose, c'est endocuticulaire. Peu importe où ça se situe, en tout cas, c'est une barrière à la pénétration des produits hydrosolubles. Donc beaucoup des désherbants. Qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'hygrométrie ? L'hygrométrie fait gonfler la cuticule. Et son volume, ça ne se voit pas comme ça, mais son volume est multiplié par 3 ou par 4. C'est un phénomène qui est important au niveau de la plante. Évidemment, ce n'est pas visible à l'œil, donc on n'y voit pas trop, mais c'est quand même très important. Et en s'écartant, enfin en gonflant, la cuticule va libérer des espaces entre les grains de cire. Et au contraire, en se rétractant, ça resserre tout ça. Et donc, ça fait des passages où ça refait de la mouillabilité. Hein, il y a des endroits où il n'y a pas de cire, en gros. Hein, ça fait des passages pour les produits. Donc, ce phénomène-là, il est essentiel. Et une fois qu'on a compris ça, ça permet d'accepter le réveil matin qui sonne de bonne heure, plus facilement. Voilà. Effectivement, les oligo-éléments, c'est des éléments qui, quand on veut les faire rentrer par les feuilles, c'est le même principe qu'un produit. Hein. Ils vont rentrer aussi par osmose.
Et il faut les mettre dans des conditions où la plante est réceptive à ça. Peut-être plus qu'à des produits même, d'ailleurs. C'est plus important encore. Que ce soit le matin de bonne heure, ouais. Ouais, ouais. Alors la mouillabilité, il y a un certain nombre d'effets. Hein. Quand on a une plante qui est peu mouillable, la gouttelette de pulvérisation va rester avec ses tensions électriques bien rondes. Conséquence de ça, on a ici la surface d'accrochage qui est limitée. D'accord ? Donc si la plante est un peu penchée, s'il y a du vent, si tout ce qu'on veut, ça risque de dégouliner un petit peu plus. La zone de pénétration est aussi moins grande. Ça veut dire, en gros, l'osmose et les molécules ici vont tendre à équilibrer les deux milieux, hein, sauf qu'ici, on aura un milieu qui est restreint par rapport à un étalement plus important. On a quelques molécules aussi, notamment, on a le mancozeb par exemple, mais quelques molécules comme ça qui sont soumises au champ électrique. Donc elles sont aussi en périphérie de la goutte, quand on est sur des plantes peu mouillables ou qu'on n'a pas mis de mouillant. Quand on met un mouillant ou qu'on est sur une plante mouillable, ici par exemple l'exemple du gaillet développé, hein, qui a des feuilles mouillables, les tensions électriques sont annulées quand la gouttelette touche la feuille, donc l'accrochage est instantané, l'étalement est aussi plus important, donc les inconvénients qu'on avait ici, l'accrochage est plus facile, hein, évidemment la surface d'ancrage est plus importante pour la gouttelette, la zone de concentration, enfin la zone d'osmose est aussi plus vaste, donc le transfert sera plus complet des molécules, et les molécules qui sont soumises au champ électrique, ben, n'ayant plus de champ électrique, évidemment, la répartition des molécules comme ça est beaucoup plus intéressante. Voilà. Alors, je vous citais le mancozeb. Hein, un mancozeb qui est concentré, on voit un espèce d'arrondi sur la feuille. Quand la gouttelette sèche, le dépôt va être en forme de virgule. Ou, voilà, alors que dans une gouttelette comme ça, il est réparti sur toute la surface. Voilà. Donc, c'est des petits micro-phénomènes comme ça qui sont au final très intéressants. Hein, qu'il faut aller chercher en tout cas. Donc on mettra, pour faire simple, systématiquement un mouillant, ne sachant pas si je vais traiter, je ne suis pas botaniste, etc., dans toutes les plantes et compagnie. L'idée c'est de dire, voilà, si j'ai un mouillant qui me permet de faire ça à pas trop cher, je vais mettre un mouillant systématique. Donc je n'aurai pas de problème de champ électrique, enfin je n'aurai pas de tension électrique de l'eau. Je vais l'éliminer systématiquement. Voilà un exemple, quelques exemples de plantes. Bon, il y a la pilosité qui peut se rajouter en plus, hein, pour la mouillabilité. Une plante qui est avec une pilosité abondante, avec de la cire sur les feuilles, ça fait une mouillabilité faible. En gros, pour faire simple, c'est les graminées sont peu mouillables, les autres sont mouillables, pour faire simple. Il y a d'autres exemples. Après, des fois, ça se voit. Quand on a une renouée des oiseaux avec une petite feuille assez étriquée, brillante, etc., on voit qu'elle est peu mouillable. On voit bien que ça va couler là-dessus et que ça a du mal à s'accrocher. Et on va avoir du mal à faire tenir une bouillie. Hein? J'avais l'exemple d'un petit pois, par exemple, où avec un mouillant, on faisait tenir 90% de bouillie supplémentaire sur les feuilles. Donc, c'est phénoménal. Alors, par rapport à de l'eau, parce qu'en réalité, on ne traite pas uniquement avec de l'eau. Déjà, certains produits contiennent déjà des mouillants. Mais on en remet systématique parce qu'au moins, on est sûr qu'il y en a assez. Si on baisse les doses, on va baisser le mouillant. Si on met des petites doses à 80-100 litres d'eau, on peut en manquer, hein, pour traiter l'eau. Parce que le mouillant, ce n'est pas un produit de traitement, il va traiter uniquement l'eau. Hein, donc c'est lié plus au volume de bouillie à l'hectare qu'à la quantité de produits de traitement. Voilà, alors d'une façon générale, la mouillabilité va baisser avec l'augmentation, avec l'avancée des stades de la plante. Hein. En gros, la quantité de cire avec l'âge des plantes, donc diminution de la mouillabilité quand la plante se développe et pousse. On a éventuellement, donc quand la plante se développe, une baisse de l'efficacité à dose identique. Le stade idéal pour intervenir sur les mauvaises herbes, d'une façon générale, c'est cotylédon première feuille. Pour différentes raisons. La première, c'est que les cotylédons de la grande majorité des plantes, sauf exception, et les exceptions, c'est le gaillet qui a un cotylédon imperméable. Donc on va attendre des verticilles, on va attendre qu'ils poussent pour le traiter. Et l'autre, c'est la betterave qui a aussi un cotylédon assez coriace. Et donc du coup, ça c'est un avantage quand on désherbe au stade cotylédon de la betterave, on peut insister un petit peu sur les doses éventuellement. Deuxième élément, c'est que le cotylédon, c'est un organe de réserve qui est là pour
alimenter la plantule au moment du changement d'alimentation au système racinaire, enfin, où la plante va passer de l'alimentation graine à des vraies racines. Du coup, elle est un petit peu en difficulté, parce que les vraies racines elles sont toutes petites, elles ne trouvent pas grand-chose à manger à ce moment-là, etc. Et là, le cotylédon va vider ses réserves pour alimenter la plante pendant qu'elle fait un peu de racines. Et si vous avez mis de la molécule là-dedans, bah, c'est tout bénef, parce que la molécule de désherbant va être répartie aussi dans une plante en difficulté. Donc, à tous les coups, on gagne. Donc, stade privilégié pour intervenir, avec l'inconvénient, entre guillemets, inconvénient, en tout cas, moi je trouve que ce n'est pas forcément un inconvénient, mais c'est comme ça, c'est qu'on n'a pas tout, on n'a pas toutes les mauvaises herbes qui lèvent en même temps. En gros, sur un semis, colza, un semis de printemps, on va avoir des levées de mauvaises herbes pendant à peu près 4 semaines, environ 3 à 4 semaines, après le dernier travail de sol, s'il y a un travail de sol évidemment. Donc, en deux passages, en général, on gère toutes ces levées-là. Maintenant, si vous semez très tôt une culture de printemps, etc., vous allez allonger le temps entre le semis et le moment où la culture va cacher et permettre de limiter l'enherbement d'elle-même. Là, ça peut prendre un traitement de plus. Voilà. Donc, je citais les exceptions au niveau du cotylédon, hein, donc le gaillet et la betterave. Donc, voilà. On s'est quand même pas très très développé. Le maïs est une exception aussi. Le maïs, lui, jusqu'à 6 feuilles, il a des cires sur les feuilles. Donc de la levée à 6 feuilles, la feuille de maïs est assez résistante au produit, c'est-à-dire qu'il rentrera moins de produit. Au-delà de 6 feuilles, les cires disparaissent. Et du coup, on va limiter le dosage. Donc on a souvent les produits maïs, on arrête entre 6 et 8 feuilles pour des questions alimentaires et ce qu'on appelle la phase de sevrage. Et au-delà de 8 feuilles, on met la moitié des doses. Voilà, pas plus. C'est lié en partie à ça. On a un autre phénomène sur le maïs, c'est quand il fait froid, c'est pareil. Le maïs étant une plante des pays chauds, plutôt à l'origine, il a du mal à passer le froid, c'est en dessous de 6 degrés, qui est son zéro de végétation, hein. En dessous de 6 degrés, ben, il ne synthétise pas de cire non plus, et donc il devient sensible au traitement, etc. Donc c'est une plante un petit peu particulière. Quand on la sème de bonne heure, cette année on a vu, c'était un petit peu, les débuts ont été un peu difficiles en maïs, parce qu'il faisait chaud, on les sème, et puis après il y a une période d'un mois ou un mois et demi où il faisait trop froid pour le maïs, quoi. Voilà, mais on ne peut pas tout semer début mai non plus. Donc voilà, les produits qu'on arrête souvent, le dicamba, donc le banvel, hein, pour le, voilà, ou le staran, donc fluoroxypyr, ces produits-là, on va arrêter. L'hygrométrie pendant le traitement, c'est important, mais c'est pour avoir la cuticule dilatée dont je vous parlais tout à l'heure. En réalité, il faut une hygrométrie à 70-80% pendant au moins une heure. Donc ça devrait être le démarrage des traitements le soir. Vous regardez l'hygromètre, il commence à monter, c'est déjà pas mal. Et quand vous arrivez au champ pour commencer à traiter, il faudrait qu'il ait passé 80%, et si possible pendant une heure, pour que la cuticule soit suffisamment dilatée. Voilà. Donc je donne un minimum à 80%. Je disais tout à l'heure, le 60% qui est donné à peu près partout, c'est peut-être valable quand on est à 150 litres. Pourquoi pas. On évapore quand même 25% de la bouillie, hein, malgré tout. Donc on met un minimum à 80% pour les bas volumes, puisque les gouttelettes étant plus fines en moyenne, on va avoir plus d'évaporation, etc. Donc il faut remonter. Et si vous étiez à 15 litres hectare, par exemple, à l'extrême, il faudrait mettre 95%. C'est vraiment, plus on baisse les volumes d'eau, plus il faut augmenter le taux d'hygrométrie minimum, et évidemment, sans vent. Ouais. Alors, je vous ai cité plusieurs fois, j'ai plusieurs fois dit les molécules de désherbant sont hydrosolubles. Ça, c'est un phénomène. Alors, quand on regarde un peu dans le détail, les molécules hydrosolubles qu'on a sur le marché, alors le glyphosate ou tous les HAT, glyphosate, sulfosate, glucosinate, enfin voilà, tous les HAT sont du même acabit, très hydrosolubles, un des plus hydrosolubles. La benthazone, Bazagran, corum, tout ce qui contient de la benthazone, matière active qu'on retrouve pas mal en légumes aussi, enfin en haricots par exemple, etc., ou dans les pois. La benthazone, c'est une matière active qui marche super bien quand on connaît comment elle fonctionne. J'aime bien expliquer parce que ça montre la complexité et ça montre aussi malheureusement
l'apparente simplicité avec laquelle on vous dit t'as qu'à mettre 400 litres d'eau et puis ça va marcher. Pour le Bazagan, c'est encore marqué 300-400 litres sur les bidons. Hein. Donc ça, c'est encore le conseil de la firme. Donc, alors, on peut évidemment traiter en bas volume, dans la mesure où c'est un hydrosoluble, il faut être le matin de bonne heure avec de l'hygrométrie. Mais d'un autre côté, pour qu'elle fonctionne bien, pour qu'elle diffuse dans l'épiderme, sous la cuticule, il faut que cette molécule-là soit appliquée sans ultraviolet. Donc, il ne faut pas de rayon du soleil. Hein. Il peut faire jour, mais il ne faut pas de soleil. Donc, lumière basse, le matin de bonne heure, c'est parfait. Et puis, pour qu'il fonctionne bien, une fois qu'il a diffusé dans l'épiderme, pour qu'il brûle la plante, qu'il la détruise, il faut des ultraviolets après. C'est-à-dire qu'en gros, il faut une journée ensoleillée derrière. Alors, souvent, quand on a de la rosée le matin au printemps, on est sur des belles journées qui suivent, donc pourquoi pas. Mais on sait faire marcher la bentazone quand on l'applique comme ça, très bien. Alors, quand on met, si vous suivez le conseil, 300-400 litres d'eau, vous ne pouvez pas le faire le matin. Parce que le matin, vous aurez du ruissellement. Donc les grosses gouttes vont dégouliner, vous allez perdre, vous allez balancer de la bentazone par terre, et à un moment donné, ça ne peut pas marcher. Donc ce n'est pas possible. Si vous faites 300-400 litres, vous le faites l'après-midi. Et qu'est-ce qui se passe quand on met 300-400 litres? En fait, on recrée artificiellement, avec beaucoup d'eau, sous la goutte, on recrée une hygrométrie. C'est-à-dire qu'on va réhumecter la cuticule, etc. Et on met beaucoup d'eau pour que ça dure suffisamment longtemps, pour qu'il y ait du transfert de produits, etc. Faites-le le matin de bonne heure avec de l'hygrométrie avant une belle journée ensoleillée. Vous mettez 50 litres hectare et une demi-dose, vous ferez exactement le même boulot. Ça marche super bien. Ensuite, alors le diquat, pareil, c'était le réglone, hein, donc produit qui va dégager. Les hormones en général, donc c'est quand même pas mal de produits, les hormones ou assimilées hormones, hein, hein, les staranes par exemple, etc. Les sulfos, là c'est toutes les sulfos. C'est les antigraminées, mais aussi les antidicotes. Notre bovier allié, par exemple, le métsulfuron, bon, ben c'est une sulfo, il a besoin de ces conditions-là aussi pour pénétrer dans la plante. Donc très, très hydrosoluble. Les FOP, les DIM, les antigraminées foliaires classiques. Donc vous voyez, ça fait quand même énormément de désherbants. Donc il ne faut pas se prendre la tête à chercher si telle molécule ou telle molécule est hydrosoluble ou pas. En gros, on a les hydrosolubles, c'est les désherbages, et les foliaires en tout cas, et les autres, c'est... les fongicides, voilà, pour faire simple. Voilà, l'exemple, hein, c'est le diquat pénètre 5 fois plus vite à 95 hygrométrie par rapport à 65. 65 étant une valeur qui n'est pas si basse que ça, en tout cas, qui est conseillée souvent. 5 fois plus vite, ça veut dire que plus c'est rapide, avant le séchage, plus il y aura de matière active qui sera rentrée. C'est vraiment un élément... Enfin, tout ça, c'est là, c'est une grosse chose, mais tout ça, c'est des petites choses qui vont se cumuler. Pour faire l'économie de produit à la fin, c'est ça qui compte. C'est ces petites choses qu'on met bout à bout. Hein. Alors tout ça, malheureusement, pour les élèves tard, pour les gros dormeurs, malheureusement, ça se passe le matin de bonne heure. Et plus il fait chaud la journée, plus on avance vers l'été, plus c'est tôt au niveau de l'horaire. Le vent est au minimum le matin, et la cuticule a subi un maximum d'hygrométrie. En tout cas, la plus grosse hygrométrie que vous pouvez avoir dans la journée, là, hein, ce sera le matin de bonne heure, en gros au lever du soleil, enfin un peu avant. Donc les paramètres sont corrects le matin de bonne heure. Pendant midi, évidemment, on va faire la sieste, mais pas question de les traiter. Et le soir, bah, le soir, c'est compliqué parce que des fois, bah, le vent il tombe à 7h, à 9h, on ne sait pas. Et puis l'hygrométrie, c'est sûr qu'elle n'est pas là. Donc l'hygrométrie, il faut encore mettre des gouttelettes assez grosses qui ne s'évaporent pas trop vite. Elle va venir l'hygrométrie, ce n'est pas un drame en soi, ça va réhumecter la cuticule, etc. Mais il faut quand même que le produit soit touché et il ne soit pas évaporé avant. Quoi. Donc voilà, ça peut être très tard. Et quand on a une période de canicule comme on vient d'avoir, honnêtement, ça peut vous emmener à 1h, 2h du matin. Hein. Donc est-ce que c'est le soir, est-ce que c'est le matin, là, après, chacun son appréciation de la chose. Alors c'est vrai que de temps en temps ça m'arrive d'avoir des gens qui me disent mais moi le soir, le matin, pas possible. Donc voilà, on se dit je salue cette personne et on ne peut pas travailler comme ensemble, c'est pas possible. L'évaporation, ça c'était pour le vent, hein, donc quand l'hygrométrie n'est pas bonne, à 20% par exemple, bah, la gouttelette s'affine très vite et donc elle devient très vite sensible à la dérive. Alors que quand l'hygrométrie est forte, la masse d'eau reste complète le plus longtemps. Du coup, l'impact d'un petit vent sera beaucoup moins important. On nous demande souvent la rosée, parce que ça, c'est le gros sujet. Est-ce que la rosée est problématique?
Dans les périodes chaudes et sèches, non. Au contraire, elle est favorable, très favorable. La rosée, ça peut représenter allez, un petit millimètre, on va dire 10 000 litres d'eau à l'hectare. C'est une humectation intéressante et c'est très favorable. Par contre, à l'automne, les traitements d'automne, là, ça peut être défavorable parce qu'on a un temps couvert et froid, on ne sait pas si ça va sécher derrière. Donc ça, c'est l'élément clé. Il faut être sûr que dans les 2-3 heures qui suivent, la rosée puisse sécher complètement. Sinon, ça reste humide, le produit reste dans la rosée, plus ou moins, et ça se termine peut-être par une petite pluie le lendemain matin, je ne sais pas. En tout cas, on maîtrise beaucoup moins la rosée d'automne, évidemment, que la rosée de printemps. Mais la rosée est très favorable, et du coup, la taille des gouttes qu'on met en œuvre, plus l'adjuvantation, fait qu'on va favoriser la rosée pour traiter. C'est de l'eau qui est déjà arrivée toute seule. On n'a pas besoin de la charrier, celle-là. Hein? Alors les températures, évidemment ça a un impact avant le traitement et même après, mais on a souvent des échecs quand il fait chaud et sec, avec un glyphosate par exemple. Je cite souvent le glyphosate parce que dans l'été, quand vous faites du glypho en déchaumage, quoi, quelque part, chimique, on a des fois, et même au printemps, des coups de fil assez intéressants. Enfin, en tout cas, on en conclut que la plante doit être dans un environnement poussant, dans un environnement où elle est vivante pendant un certain temps après le traitement. Et vous aurez, même si vous avez fait attention au moment du traitement, tout était réuni, mais si c'est dans une période sèche, la plante n'est pas poussante. Et si elle n'est pas poussante, elle ne véhicule pas le produit. Et le glyphosate, c'est peut-être encore pire que d'autres. Il a besoin d'être véhiculé pendant quelques jours. On va dire, en théorie, c'est 6-7 jours, une petite semaine pour des plantes annuelles, un peu développées quand même, sinon 2-3 jours, ça va. Et c'est 3 semaines pour un produit, enfin pour une vivace, pour que ça aille jusqu'au bout des rhizomes et compagnie, c'est 3 semaines. Vous ne pouvez pas faire travailler un glypho, quel qu'il soit, même un très cher, un Monsanto, hein, tout ce que vous voulez, vous ne pourrez pas le faire travailler rapidement, ce n'est pas possible. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Si vous prenez des produits type Roundup Flash, des choses comme ça, alors ça a un effet gramoxone, c'est-à-dire vous allez cramer de la feuille vite. Mais sur des vivaces, c'est pire que tout, parce que du coup, la tâche de vivace, vous allez la garder. Hein. Il faut que le produit aille doucement, c'est comme ça qu'il travaille, et c'est comme ça qu'il vient à bout des plantes coriaces. Il ne faut pas vouloir que ça aille trop vite. Hein. Voilà, alors quand on associe température et hygrométrie, évidemment, là, la systémie est très favorable, et c'est plutôt intéressant. On a des fois, pendant des orages, par exemple, des éléments des climatiques un peu comme ça, où là, la systémie est très rapide et le produit peut marcher très fort. Le froid en tant que tel, on peut s'en servir, des petits coups de gel le matin pour des désherbages d'automne, des choses comme ça, voire sorties d'hiver. On peut s'en servir pour baisser les doses, éventuellement. Hein. Bon, on a un problème souvent de sélectivité. Quand il gèle plus ou moins fort. En gros, le conseil que je peux donner moi sur la météo, c'est que c'est à partir de moins 4, moins 5 où on a des gros problèmes de sélectivité avec les différents produits qu'on peut faire. Donc, on va quand la météo du soir, Louis Baudin nous indique. Baudin, oui, c'est Baudin. Je ne confonds pas avec les Baudins. Parce que... Voilà, je vais me poser la question. Tu vois, les Baudins, c'est pour ça. Je crois que c'est Louis Baudin, on me le cite souvent. Hein. En tout cas, quand la météo nationale vous indique du gel, même s'ils indiquent moins 2, vous ne sortez pas. Hein, moins 2 sur TF1 ou France 2, ça peut être du moins 6 ou moins 7 dans vos champs. Donc du coup, c'est clair qu'on n'y va pas. Par contre, quand la météo nationale n'annonce pas de gel, même s'ils annoncent 1 degré ou 2 degrés, même si ça gèle dans votre parcelle, ça ne va pas geler à moins 5. Voilà, en gros, c'est ça l'idée pour pouvoir sortir à l'automne ou au printemps. En sachant que d'ailleurs qu'au printemps, on a souvent plus de problèmes d'amplitude thermique comme ça qu'à l'automne. Un traitement de novembre, décembre même, hein, est beaucoup moins problématique qu'un traitement de février au niveau climatique. Mais souvent, on hésite à y aller au mois de décembre parce que le matériel est rangé, il est hors gel, il est je sais pas quoi. Et ça vous embête de le remettre en route pour le ranger le soir, quoi. C'est dommage parce que bon, voilà, il faudrait le mettre dans un atelier chauffé qu'on n'ait pas à mettre de l'antigel dedans. Par exemple, chez le maïs, donc le froid va bloquer la synthèse des cires, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, et du coup, ben, on a un souci clairement de sélectivité quand il n'y a pas de cire sur les feuilles. Et je rappelle à tout le monde que le maïs, ce n'est pas un blé,
c'est le zéro du maïs, c'est 6 degrés. À part, en dessous de 6, hein, 5-6 degrés, il est en difficulté. Donc, il ne faut surtout pas les chatouiller pendant ces périodes-là. Donc, on va laisser, voilà. Ça, c'est un exemple dans un essai. J'avais traité une fois exprès, donc avant du froid. Donc, c'était pas gelé, hein, c'était 2-3 degrés. Et j'ai fait qu'une parcelle. Et quand on a ça dans une parcelle, c'est pas une phyto forcément très visible. Hein. Honnêtement, mais par contre, vous voyez qu'autour, il est quand même bien plus beau. Quoi. Donc, c'est quand même très agressif. Quoi. Mais bon, donc faites attention au maïs. Le colza, c'est un peu l'inverse. Le colza, plus il fait froid, plus il se renforce. Voilà. Donc, la feuille va s'épaissir, le colza va durcir. Et à partir de là, on a quelques produits qu'on peut appliquer qui sont moyennement sélectifs. Ça, c'est un dégât de gel aussi après traitement. Alors, c'est évidemment, sur les recroisements, c'est beaucoup plus marqué, mais c'est du moins 5, moins 6 le lendemain de l'intervention. Donc, ça commence à claquer quand même. Hein. Faut être vigilant. Hein. Des fois, à l'automne, on n'a pas forcément les conditions. Bon, depuis quelques années, ça va, on a le temps hein, de traiter. Et je rappelle qu'il y a moins d'amplitude à l'automne, novembre-décembre, il y a moins d'amplitude pour traiter que sortie hiver, souvent. Le vent, le vent, c'est l'ennemi public numéro un pour un agriculteur traiteur, en tout cas. À moins que vous ayez des éoliennes, vous pouvez gratter quelque chose, mais sinon, ce n'est pas la peine. Donc ça augmente la micronisation, donc ça affine encore la taille des gouttes. Ça augmente la dérive, ça crée de l'évaporation des gouttelettes fines, hein, ça augmente l'évaporation, le vent, hein. Et ça crée des turbulences avec le matériel. Donc derrière, entre les roues, sur le côté, selon comment est orienté le vent, il y a des problèmes de répartition de produits, soit avec des agressivités importantes, soit des manques d'efficacité, ça dépend. Mais le vent, c'est quand même un gros problème. Ça modifie le positionnement des feuilles, c'est-à-dire que quand le vent souffle fort, on peut avoir des traitements sous la feuille. Et du coup, amener un produit un peu agressif sous les feuilles, la cuticule sous la feuille, est moins épaisse et moins dure que le dessus. Et du coup, la même quantité de produit va brûler en dessous alors qu'elle ne brûlerait pas le dessus. Voilà. Ça augmente l'agressivité des traitements. Donc, il vaut mieux un vent d'ouest. Ouais, ça, c'est le règlement administratif, mais quoi qu'il arrive, un vent d'ouest est moins gênant qu'un vent d'est. Alors, je ne sais pas si ça tombe bien ou pas, mais le vent d'ouest est humide, il amène de l'humidité, alors que les vents d'est ou nord-nord-est sont plutôt séchants. Je suis en train de réfléchir je crois qu'il y a le vent. Ça dépend des vents. Dans le sud de la France, c'est pas forcément ouest-est comme ça. Pas dire de bêtises. Donc voilà, d'une façon générale, hein, la sécheresse par rapport au traitement, donc avant le traitement, pendant et après, le sec, ça crée de l'imperméabilité, donc augmentation des quantités de cire sur les plantes cireuses, etc. Pendant le traitement, la sécheresse, ça crée de l'évaporation, donc de la perte de produits. Et globalement, c'est une systémie qui est au ralenti aussi. Donc tout ça, c'est pas très, très positif. L'humidité, la rosée, à la limite du ruissellement, donc sans parler de ruissellement, si on maîtrise ça, ça augmente la perméabilité des plantes avant le traitement. Ça permet donc de la rétention aussi. Hein, même sur des plantes mouillables, quand elles sont sous humidité, la bouillie a tendance à mieux tenir sur une plante sous hygrométrie. Et puis, globalement, ça agit sur la systémie de la plante de façon positive, donc ça fait une plante vivante. Les températures froides, donc baisse de la production de cire, bon, variable à l'exception du maïs, en gros. Ça augmente la perméabilité, ça baisse la perméabilité, hein, température trop froide. Donc ça épaissit les cuticules sur la majorité des plantes et ça baisse la systémie. Voilà. Et le vent, donc augmentation du risque de perte de sélectivité et dérive, micronisation, évaporation des gouttelettes fines, turbulence, positionnement des feuilles et compagnie. Là, on est pas bon du tout. Le vent, c'est pas bon du tout, malheureusement. Voilà. Donc après, bon, les outils de mesure, je sais pas si vous. Moi, je travaille avec ça. Bon, ça se met dans la poche. Un Skywatch. Ça fait plusieurs fonctions, donc vous avez l'anémomètre, hein, en enlevant le petit capuchon, là on a une hélice dedans. On prend le vent, donc on prend la température, l'hygrométrie, donc c'est ce qu'on a besoin. C'est pas juste, mais bon, on s'en moque un peu de la virgule, hein, et c'est vrai que quand on en met 5-9 les uns à côté des autres, ils sont tous différents au niveau de la lecture.
Mais bon, ça fonctionne plutôt pas mal. Plus vous irez chercher de la précision, plus ça coûtera cher et c'est exponentiel. Et c'est pas utile, on n'a pas besoin. Ce qu'on veut, c'est l'hygrométrie, savoir si on est plutôt à 90 qu'à 60, et si c'est en phase montante ou descendante. En gros, c'est ça qui va nous intéresser. Hein. On peut mettre aussi des hygromètres tout à fait basiques. Alors, pas celui-là parce que, pardon, hop. Pas celui-là parce que celui-là, c'est le mètre étalon, il est à Paris, mais un hygromètre tout bête à cheveux, pour ceux qui ont encore des cheveux, parce que. C'est pas toujours le cas. Ça peut suffire si vous n'avez pas besoin de la température et du vent, ça va aller. Ça suffit. Et en plus, ils sont réglables, les hygromètres à cheveux. Quand vous pouvez les régler avec une petite vis derrière, là, en soufflant dedans, vous le faites monter en un coup, vous le faites monter à 95, 18 ou 100. Enfin, en tout cas, vous le mettez à 98 ou 100 et puis c'est bon. Alors que les appareils électroniques, ben, finalement, on ne peut pas y toucher. Donc, on ne peut pas les étalonner. Et puis s'il casse, c'est pas très grave. On peut le changer facilement. La lumière, donc certains produits sont dégradés par la lumière. Grosso modo, je les ai classés donc DT50, c'est la destruction de 50% de la matière active en moins de 24 heures pour tous ces produits-là. 24 à 48 heures pour les autres. Bon, on va arrêter là, mais il faut juste pas traiter en plein soleil, quoi. Une fois que le produit est rentré, si c'est un systémique, il n'y a plus d'impact. Hein. Mais globalement, il ne faut pas traiter sur du soleil. Il y a quelques produits racinaires. Hein. Un mercantor, par exemple, ça se met par terre. Donc, si c'est une journée ensoleillée, ça ne va pas le faire. Qu'est-ce qu'on a encore? Le bon allant, c'est pareil, c'est incorporé. Alors, si vous l'appliquez et vous le laissez au soleil avant de l'incorporer, ce n'est pas bon, etc. Alors, pour conclure sur cet aspect un peu climatique, qui est quand même, je le rappelle, fondamental, priorité à l'hygrométrie, plus de 80%, peu ou pas de vent, donc moi j'estime qu'à 10 km/h ça va, au-delà ça quand même, c'est un peu compliqué, sol humide, ça c'est vrai pour les racinaires bien sûr, mais aussi pour les produits foliaires et notamment tous ceux qui rentrent dans la plante, les systémiques, les variations, donc les amplitudes thermiques, ça on l'entend souvent, risque de problème de sélectivité avec des amplitudes de 15 degrés, ou supérieure à 15 degrés, et des amplitudes supérieures à 10 degrés quand ça descend dans le gel le matin. Voilà, il faut faire attention. C'est très compliqué d'avoir moins de 15 degrés d'amplitude. C'est très souvent au-delà, notamment au printemps. Température globale modérée entre 5 et 25, donc ça c'est l'activité physiologique de la plante qui est correcte entre 5 et 25 degrés en général. Alors, on va attaquer un nouveau sujet sur... qui vous paraît des fois un petit peu compliqué et qui ne l'est pas forcément, l'adjuvantation donc, et le traitement de l'eau. Je les traite en même temps parce que ça se mélange. En fait, des produits qui permettent, mettons, un humectant, c'est aussi un produit qui va bloquer le calcaire, etc. Donc souvent, ça se mélange un petit peu dans nos cervelles. Donc je vais essayer de le rendre à peu près clair. D'une part, et d'autre part, il y a beaucoup d'offres sur le marché. En adjuvant, beaucoup d'offres. C'est des produits qui margent pas mal, donc comme on consomme un petit peu moins de produits de traitement, bah, du coup, certains vendeurs vont se rattraper un petit peu sur l'adjuvantation et vous vendre des produits un peu miracles, qu'on aime bien utiliser d'ailleurs, parce que dans nos têtes, souvent, c'est on enlève un peu de matière, mais on va se sécuriser par de l'adjuvant. En réalité, l'adjuvant, il ne sert pas à compenser de la matière active. C'est un produit, enfin des produits qu'on va utiliser pour accompagner un choix de dose. Le choix d'une dose, c'est une réflexion agronomique. C'est pas parce que je mets du mouillant que je vais mettre moins de traitement. Ça voudrait dire que le mouillant remplace ou que l'adjuvant va remplacer une partie de la matière active, ce qui est faux. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que quand un vendeur vous dit si tu mets mon produit, tu peux enlever 20%, ben ça c'est faux. D'accord? C'est pas du tout comme ça que ça marche. En tout cas, c'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser. Donc on va évoquer un certain nombre de choses, donc une petite définition, des mouillants ou tensioactifs, hein, ça c'est une première catégorie, mouillants, tensioactifs, surfactants, ça c'est trois mots, trois noms pour un même type de produit. Les huiles, donc minérales, végétales, enfin à base minérale ou à base végétale, les sulfates, donc on en utilise deux, sulfate d'ammoniac ou d'ammonium d'un côté et epsotope ou sulfate de magnésie de l'autre. Et puis on verra un petit peu leurs effets sur le pH de l'eau, la dureté, avant de conclure.
Alors, définition des adjuvants, donc c'est, les adjuvants, c'est des produits qui sont là pour aider à la pulvérisation, aider au fonctionnement des produits, mais qui ne sont pas des produits de traitement et qui ne vont pas remplacer de la matière active. Ils n'ont pas d'action directe biologique sur la cible. Hein, ce n'est pas eux qui vont tuer l'insecte, ce n'est pas eux qui vont tuer la mauvaise herbe ou protéger votre culture. Pas du tout. Ils sont là pour faciliter la performance des phytos. Et éventuellement des effets un peu complémentaires, baisse du ruissellement, baisse de la dérive, voilà, ça c'est des effets complémentaires, modification d'un pH, etc. Donc voilà, et donc ils ont certains, en tout cas les huiles notamment, ont un effet sur les feuilles en faisant un trou dans la cuticule, hein, je vous l'ai expliqué un peu tout à l'heure, et au final, ben, c'est ça, on va s'en servir pour. Enlever cette barrière chimique ou physico-chimique de la cuticule pour la pénétration des produits. Donc les huiles peuvent avoir un effet sur la sélectivité, alors qu'un mouillant, pas du tout. Un mouillant, il traite l'eau, il ne traite pas la plante. Vous pouvez vous tromper d'une dose, en mettre 10 fois de trop, ce n'est pas un souci, ça ne fera pas de mal à la feuille, quoi, à la plante. Voilà. Donc c'est là, ça permet d'optimiser les traitements phyto et c'est ça le but en fin de compte. Donc d'une façon générale, pour ne pas avoir de problème, on va prendre des produits qui ne sont pas chargés électriquement. Donc en gros, vous avez des produits qui sont négatifs, les anions, ou d'autres qui sont cationiques, des charges positives. La difficulté quand on prend un produit qui est chargé, si on l'associe à une molécule phytosanitaire qui a aussi une charge électrique sur la molécule, vous pouvez avoir des agglomérats ou des réactions physico-chimiques qui soient négatives. C'est-à-dire que vous mettez un plus en présence d'un moins, ça va faire une mayonnaise. Et ça va précipiter, vous allez le retrouver dans les filtres, au mieux ou pire, vous allez boucher tout le bazar. Donc pour ne pas avoir de soucis, à la fois pour moi en termes de conseils et pour vous en termes de pratique, on va utiliser des produits qui sont non ioniques. C'est-à-dire que les produits dont je vais vous parler, ceux que je préconise, vous ne pouvez pas avoir de problème physico-chimique. Il ne peut pas y avoir d'interaction négative avec les molécules. C'est quand même rassurant, hein, et donc il faut que vous soyez tranquille avec ça. Il n'y a pas de souci particulier. Alors, bon, pour faire simple, la définition des anioniques, donc j'ai cité un produit qui ne se fait plus aujourd'hui, comme ça on est tranquille, c'est le Carbol. Carbol, en fait, c'est un nettoyant. Tout ce qui vous est vendu comme adjuvant, qui est une base de nettoyant dégraissant, c'est tous des anioniques. Et c'est des produits qui, en gros, la définition que j'en donne, ils fonctionnent quand il n'y en a pas besoin, en gros. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne servent à rien, quoi, pour faire simple aussi. Donc on va éviter ces produits-là, qui certes ne sont pas forcément très chers, mais quoique, hein, ils ne valent pas grand-chose à produire et ils vous est vendu à peu près 10 euros du litre. De toute façon, c'est les prix de marché, tout ça, hein, c'est tant de l'hectare, 3-4 euros, voilà. Donc on va essayer de travailler avec des produits moins chers, beaucoup plus efficaces, et ce qui va nous permettre de baisser leur dose et d'avoir un coût à peu près d'un euro par hectare. D'accord ? Donc ils peuvent être un peu phytotoxiques, voilà, c'est des sels d'ammoniac souvent. Bon, après les produits cationiques, ça c'est des produits que vous connaissez peut-être un peu aussi, le Génamin qui a été l'associé historique du glyphosate, hein. C'est Monsanto qui avait sorti ça quelques années après le glypho, quand on a commencé à parler de la qualité de l'eau, etc. Donc ça bloquait la dureté de l'eau jusqu'à 200 ppm ou jusqu'à 50 degrés français, d'une part, et puis d'autre part ça faisait un peu collant, un peu tout ça. Et le Surf 2000, que j'ai cité aussi ici, qui est un cation qui a des charges positives, qui marchait un petit peu, pas trop mal, on va dire, avec les sulfos, les antigraminées, Atlantis Absolu, Archipel. Mais bon, globalement, on n'en a pas besoin et on va éviter par rapport à ces charges positives. Un produit chargé électriquement, positivement, avec des charges plus, va aussi aller se fixer comme sur la CEC du sol, qui a des charges négatives. Et donc du coup, en se fixant sur la CEC, à l'occasion, ça démobilise et ça relargue. La CEC va relarguer des éléments minéraux. Donc c'est pas très intéressant d'aller fixer des molécules comme ça pour relarguer des éléments nutritifs de la plante qui sont stockés dans le sol. Donc voilà, ça c'est un petit peu accessoire, mais n'empêche que voilà, tant qu'à faire. Et puis phyto aussi, de temps en temps, un peu plus élevé que d'autres. Donc on va travailler avec des non-ioniques. Et les non-ioniques, bon, il y en a pléthore, ne vous inquiétez pas, il y en a plus qu'un curé peut en bénir. Donc 70, je crois, homologués, ou 75. Donc on a ce qu'il faut. J'en cite quelques-uns que vous connaissez, hein, le LI700, qui est un produit acidifiant, une base de lécithine de soja,
qui a été surtout vendu, pas mal vendu au départ comme anti-dérive aussi, donc limitateur de dérive. C'est vrai que ça fonctionne plutôt bien à ce niveau-là. Voilà, on ne va pas l'utiliser parce que c'est un fort acidifiant et acidifier trop fortement, ce n'est pas une bonne affaire. Donc globalement, on va laisser un petit peu de côté. Il marchait pas mal avec les régulateurs. Bon, voilà. Le Stickman, alors lui, il a une bonne réputation aussi, c'est sa base de latex. Le latex qui ferait un bon anti-lessivage, une fois que c'est polymérisé sur la plante, que ça a séché, pour faire un, voilà. Oui, c'est pas faux, mais je pense honnêtement qu'on n'a pas besoin du latex. Très sincèrement, avec les fongies céréales, c'est vendu sur les fusas, enfin sur les traitements épis. On n'a pas besoin non plus. S'il tombe 20 ou 25 mm après un traitement fusa, bah, la meilleure chose à faire, c'est plutôt de le refaire, plutôt que d'espérer une efficacité du latex, quoi. Voilà. Alors, il se fait un petit peu. Alors, il y a que sur les oignons où je le préconise, enfin les aliacés en général, où manifestement on a des résultats qui sont significatifs pour le Stickman, donc par rapport aux autres. C'est la seule utilisation que j'en fais, voilà, sur les aliacés. Le Silhouette, alors lui par contre je vais l'utiliser pas mal. Le Silhouette, c'est le plus puissant du marché, pour le coup on ne peut pas en trouver plus au niveau de l'étalement. Et ça nous intéresse bigrement parce que autant à dose pleine il n'est pas bon, à dose pleine il étale trop. Étaler trop, ce n'est pas une bonne affaire non plus. Pourquoi ce n'est pas une bonne affaire d'étaler trop? C'est que quand on étale énormément la gouttelette d'eau, elle va s'évaporer plus vite. Donc du coup, on va perdre du taux de transfert aussi. Ce n'est pas bon. Il faut laisser un certain volume de la goutte pour que ça n'aille pas trop vite à se dessécher. Deuxième effet un peu négatif quand on étale trop, c'est quand il y a de la rosée, donc déjà 400-500 litres d'eau sur les plantes, vous prenez l'eau, le Silhouette va étaler aussi l'eau qui est déjà présente. Et du coup, ça va couler plus. On va faire couler plus de produits, on va en perdre plus sur la feuille. Donc le Silhouette m'intéresse, mais à petite dose. Et du coup, au niveau du coût du produit, ramené à l'hectare, ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, il est homologué à 0,1 litre pour 100 litres, 0,1, et on va l'utiliser au dixième de sa dose homologuée, donc à 0,01, ou 1 litre pour 10 000 litres d'eau, ou 0,1 pour 1000 litres, ou 0,01 pour 100 litres, voilà en gros. Donc ça, on va l'utiliser systématiquement avec tous les produits foliaires. Voilà. Dans ma phrase, la phrase que je suis en train de dire, il y a toute la règle d'utilisation du produit. Systématique, avec tous les produits foliaires. Que ce soit des produits systémiques, des translaminaires, des pénétrants, des produits de contact. À chaque fois qu'on met un produit sur les feuilles qui passe ou qui reste sur la feuille, on va utiliser du Silhouette à 0,01%. L'héliosol, alors c'est aussi un produit qui est bien connu, qui est un vieux produit, hein, une bonne quarantaine d'années pour l'héliosol. J'ai pas vérifié, mais c'est au moins ça. L'héliosol, lui, il a pour intérêt d'être homologué sur tout. D'accord ? Il est homologué en bio aussi. Donc voilà, ça peut être un argument. L'argument essentiel, souvent, c'est l'odeur. L'odeur qui, pour certains, est désagréable, mais pour pas mal, est agréable. Ça cache un peu la misère, on va dire ça comme ça. Ça sent un peu le savon quand même, l'huile de pin, enfin bon. Donc c'est une base de terpène à base d'huile de pin. Mais c'est quand même 4 fois plus cher qu'un Silhouette. Ça s'utilise à 0,2 litres par hectare, mais c'est 4 fois plus cher. Alors voilà, au bout de la saison, ça fait quand même un certain nombre de pulvées et ça peut commencer à compter, surtout que le Silhouette fait le boulot. L'héliosol n'étale pas, par exemple. Il n'étale pas. Très mal. Bon, très très mal. Bon, ça, je l'ai vérifié, hein, donc je peux vous l'affirmer. J'ai fait les étalements. Donc voilà, l'héliosol, il ne marche pas pour ça. Alors, si on veut faire un héliosol qui étale, il faut lui mélanger du Silhouette avec. La seule solution que j'ai trouvée, enfin, pour arriver à utiliser de l'héliosol, pour une raison ou pour une autre, mais qui étale un peu, donc avec du Silhouette. Donc, ceux-là, ils n'ont pas d'effet direct sur la plante du tout. Vous pouvez vous tromper. Donc, le Silhouette, si vous le mettez à dose homologuée par hasard, sans faire attention, en dehors du prix, vous allez en mettre 0,1. Et là, pour le coup, à 0,1, vous n'aurez pas de dégâts non plus sur la plante, quoi, hein. Voilà. Donc le Silhouette, lui, il est homologué sur herbicide, fongicide. Quand il est sorti, il était aussi insecticide. Et il a perdu l'insecticide il y a 3-4 ans, là. Je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà. Ça devait revenir, ça ne revient pas pour l'instant, on verra. Alors, c'est des produits qui sont, pour le Silhouette par exemple, qui a reçu une AMM, hein, il a une homologation, etc. Donc normalement, il devrait être... Enfin, c'est des produits qui devraient être sérieux, quoi, hein, où les tests ont été faits par l'administration et compagnie. Alors, on observe une chose, c'est que c'est pas vrai.
En gros, ils ont essentiellement une base documentaire des firmes. Hein. Donc, c'est la firme qui produit le produit, qui fait ses essais d'homologation et qui fournit l'ensemble à l'administration. Et en vrai, l'administration ne vérifie pas. Et les firmes, sur ces produits-là, ils marquent tout et n'importe quoi. C'est-à-dire toutes les fonctions des adjuvants sont marquées sur toutes les étiquettes de tout le monde. Et pour autant, ils n'ont pas tous les mêmes fonctions du tout. Donc c'est un petit peu embêtant, d'avoir des choses qui sont fausses sur les étiquettes, quoi. Et clairement, quand on fait les tests avec, et des tests de labo, avec le matériel exprès pour étaler, machin, enfin l'appareil de référence et compagnie, on ne trouve absolument pas ce que la firme annonce, quoi. Bref. Dans la catégorie des adjuvants, on va trouver donc plusieurs produits. Les mouillants aux tensioactifs, d'accord, les huiles et les sulfates. Ça, c'est les trois adjuvants qu'on va rajouter de façon systématique pour le sulfate, de façon systématique pour les produits foliaires, pour, je vais dire, le silhouette, comme ça, c'est plus simple, et les huiles avec les antigraminées foliaires. Les huiles, on a deux grands types d'huiles, les huiles minérales et les huiles végétales. L'huile végétale, on pourrait même préciser l'huile estérifiée de colza, parce que c'est celle-là qui nous intéresse. On en a une autre depuis 2 ans maintenant, ou 3 ans, qui est l'adinda. Et l'adinda, malheureusement, personnellement, je la refuse. C'est-à-dire que ils vendent cette huile comme étant l'équivalent de l'actirob ou de la mixine, alors que c'est faux. C'est pas la même chose, et en plus on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. C'est certainement une base d'huile végétale, mais on ne sait pas quelle végétale. Le fabricant va aller au moins cher sur le marché mondial. Donc ça peut être de l'huile de palme, ça peut être de l'huile de friture, ça peut être de n'importe quoi. Tournesol, ou colza, pourquoi pas. Mais on ne le sait pas à l'avance. Et j'ai vu, et alors pour le coup depuis 2 ans j'en vois, des parcelles grillées à la dinda. C'est pas sur les céréales, ça a l'air de se passer pas trop mal. Par contre, des sojas et des betteraves. Donc, je déconseille fortement la dinda, et malheureusement, elle a pris une place commerciale en France qui est énorme. Ils doivent faire des marges, enfin, ils doivent laisser de la marge, et du coup, c'est partout, quoi. Enfin, bref, voilà. Alors, je ne sais pas exactement le tenant et les aboutissants de tout ça, mais en tout cas, moi, pour les gens que je conseille, je leur déconseille fortement la dinda. Donc, c'est Actirob ou Mixine, point barre. Elle est un peu plus chère que l'huile minérale, mais elle est sélective. Et ça, la sélectivité de l'huile Actirob ou Mixine nous permet de moduler la dose et de profiter des bonnes conditions climatiques, notamment, pour pouvoir en mettre plus. Donc plus, c'est de 1%, on va passer à 1,5 ou 2%. Et là, on reste sélectif. Et le fait d'augmenter l'huile, on décape un peu plus de cuticules et compagnie, et du coup, les quantités de produits qui rentrent sont plus importantes. Soit ça fait mieux marcher le produit, soit on peut se permettre, si le produit marche de lui-même déjà très bien, éventuellement de baisser la dose. L'enjeu sur la dose, c'est à peu près 20%. Quand on peut monter l'huile, on peut baisser la dose de matière active de 20%. Ça, c'est en bonne condition. Pas de vent, bonne hygrométrie, pas trop chaud, pas trop froid, peu d'amplitude thermique, etc. Là, on peut monter un peu l'huile. Les sulfates. Alors, les sulfates, on a deux catégories. Le sulfate d'ammoniac ou le sulfate d'ammonium, qu'on va mettre avec les désherbants. Je dirais même quasiment obligatoire avec le glyphosate, d'accord ? Et fortement conseillé pour les désherbants. Pourquoi ? Le sulfate d'ammoniac, c'est 60% de SO3, de soufre, de sulfate, pardon. 60%. C'est aussi un bon humectant. Alors, c'est le sulfate, le soufre, qui va bloquer la dureté de l'eau, déjà, le calcium. C'est en plus le sulfate qui fait de l'humectation. Si on faisait un sulfate de magnésie avec les désherbants, premièrement, on ne touche pas à la dureté de l'eau, puisque en relarguant du magnésium, le sulfate de magnésie va recréer de la dureté. Donc on bloque d'un côté du calcium et de l'autre côté, on relargue des éléments qui font de la dureté, donc ça n'a pas d'intérêt. Et d'autre part, c'est que 32% de sulfate au lieu de 60. Donc deux fois moins humectant à kilo équivalent. Donc, et comme les molécules sont hydrosolubles, les désherbants sont hydrosolubles, j'ai dit plusieurs fois, hein, ben, vous avez intérêt à mettre du sulfate d'ammoniac quoi qu'il arrive avec les désherbants. Voilà, pour plusieurs raisons. La dureté de l'eau d'un côté, dureté pour le glypho, mais aussi pour d'autres molécules. Il y a, dans la littérature chimique, on trouve beaucoup de matières actives désherbants sensibles à la dureté. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, hein, malheureusement, mais peu importe, on va quand même traiter l'eau pour les désherbants en général, même s'il n'y a pas besoin. Tant pis, c'est comme ça.
c'est pas grave, ça coûte pas cher, enfin quand c'est utilisé en engrais, ça coûte pas cher. Et donc, on ne sait pas au final si le produit commercial qui contient la matière active sensible à la dureté, on ne sait pas si le produit commercial a déjà été corrigé ou pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas la composition exacte, on ne sait pas si le chimiste a déjà pris en compte ce phénomène ou pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais ça, malheureusement, on n'a pas les éléments pour le savoir. Donc, on fait sans, et moi, je reste calé sur ce que j'ai comme information, c'est-à-dire les molécules de désherbant. Il y en a une bonne dizaine qui sont sensibles à la dureté dans la littérature, plus le glyphosate qui est, lui, absolument sûr, sensible à la dureté. On en met à peu près 2%, ça, c'est le standard. 2%, ça bloque la dureté de toutes les eaux calcaires en France. Il n'y a pas de problème, ou en Suisse ou en Belgique. Il n'y a pas de problème. Donc 2%, c'est le minimum pour faire de l'humectation. Si l'hygrométrie n'est pas bonne, on est obligé de traiter parce que voilà, c'est comme ça avec l'hygrométrie à 50 ou 60, ça peut arriver. Et là, vous allez en mettre 4, 5, 6%. On va augmenter le sel hygroscopique qui va permettre de corriger et de faire durer la phase liquide de la pulvérisation, pour le coup, sur les feuilles, le plus longtemps possible. Donc, sulfate d'ammoniac, 2% minimum, jusqu'à 5, 6, 7, quand les conditions ne sont pas bonnes. Ça fait la dureté, l'humectation, et puis au final, ça sera mangé par la plante. Tout est bon dans le cochon. Voilà. Et puis ensuite, alors, l'hepsotope, du coup, le sulfate de magnésie, lui, on va l'utiliser pour son effet un peu hygroscopique aussi, un peu d'humectation, mais surtout l'effet alimentaire du magnésium. Le magnésium est au cœur de la chlorophylle, c'est l'élément qui est central dans la chlorophylle, autour duquel va se faire la chlorophylle. Donc c'est un élément intéressant, et en général dans les essais, quand on met de l'hepsotope, sulfate de magnésie, à 2% à chaque passage de fongicide par exemple, ou à chaque passage hors herbicide, quand il n'y a pas d'herbicide, on a à peu près entre 1 et 3 quintaux, on va dire 2 en moyenne, de bonus, par l'effet alimentaire essentiellement. Donc on va utiliser les sulfates, donc sulfate d'ammonium pour le désherbage à 2% en moyenne, et l'hepsotope à 2% aussi, pour tous les autres traitements quand il n'y a pas de désherbant dans la cuve. Si vous avez un mélange désherbant fongicide ou désherbant insecticide ou je ne sais pas quoi, vous mettez le plus exigeant, c'est-à-dire c'est le sulfate d'ammonium pour le désherbant. Et après, tant pis pour le reste. Et sinon, s'il n'y a pas de désherbant dans la cuve, c'est plutôt du sulfate de magnésie. Voilà, donc le mouillant en tension actif, en silhouette, voilà, à 0,01%. L'huile pour les herbicides foliaires, donc 1% en moyenne pour l'actyrum, et on peut monter à 1,5 à 2 dans les bonnes conditions. Et puis le sulfate, donc 2% de sulfate d'ammoniac pour le désherbage et 2% d'hepsotope pour les autres traitements. Ça, c'est tout le monde a compris, c'est bon. C'est souvent, ça paraît un peu complexe finalement, mais c'est relativement simple. Il faut bien décrypter. Et dans les phrases que je dis, sincèrement, il y a toute la règle d'utilisation, en fait. Après, on se pose beaucoup trop de questions, souvent. Mais si vous retenez les phrases que j'ai dit, honnêtement, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Donc, je vais aller à la partie haut. Exact. Voilà, je ne vais pas vous faire forcément toutes les démonstrations de ce que je viens de vous dire. Mais je pense que le schéma est assez explicite, en fait, avec les trois éléments. Et on s'en reprend. Ça, c'est la partie. C'est les molécules de mouillant, par exemple, sont toutes faites de la même manière, avec deux pôles. Un pôle qui va rester dans l'eau, qui est attiré par l'eau, donc qui reste dans la gouttelette d'eau, et un pôle qui est attiré par l'air. Donc, en gros, quand vous mettez des molécules comme ça dans l'eau, la molécule va migrer vers l'extérieur et elle va venir séparer les molécules d'eau entre elles. Donc, couper les liens électriques qui tiennent les molécules d'eau ensemble. Voilà, schématiquement, ça donne ça. Voilà. Bon, le rôle d'étalement, les différents éléments, je passe là aussi assez vite. Bon, alors ça, c'est la théorie, ça, c'est ce que vous racontent les fabricants. Les fabricants vont vous dire, mon silhouette, par exemple, il étale 100 à 120 fois. Et, ah bon, putain, c'est énorme. Oui, alors c'est énorme, mais ça ne veut rien dire en soi. Ça dépend de l'eau, comment les caractéristiques de l'eau, ça dépend du pH, ça dépend d'un tas de choses. Et en plus, c'est faux, quoi. Donc, voilà. Et quand on s'amuse à les tester, donc pour le coup, mince, je ne l'ai pas là. Donc, quand je fais les tests d'étalement, en réalité, on tombe sur à 0,01, on étale à 30%. C'est-à-dire, on fait 30% de surface couverte supplémentaire avec le silhouette. C'est le plus gros de tous, les autres sont à 10, quoi. Même pour des pleines doses. Alors qu'à dixième de la dose,
on fait déjà 30% d'étalement. Et ça suffit. Il ne faut pas aller plus loin, il faut laisser du volume à la gouttelette d'eau. Il ne faut pas la surétaler, c'est pas intéressant. Voilà. Alors les huiles minérales végétales, voilà, en gros, les huiles sont homologuées que des herbants, donc bon, on n'a pas de souci, on ne les utilise pas pour d'autres choses, donc ça va, c'est pas mal comme ça. Donc les huiles minérales, je dirais globalement, ont tendance à disparaître des pulvérisations, des champs. Hein, on est, tout le monde est à peu près calé sur l'actirob. L'actilande, ça j'en parle même pas, parce qu'en gros c'est un mélange d'huile plus mouillant. Alors tout ce qui est produit, tout formulé, ça ne nous intéresse pas. Là franchement, les équilibres étant figés entre l'huile et le mouillant, les fonctions sont différentes. Le mouillant travaille l'eau, la quantité d'eau à l'hectare, on va dire, ou dans le pulvé, alors que l'huile va travailler sur les plantes. C'est deux choses différentes. En fonction des conditions, on peut jongler dans les doses, alors que quand vous achetez un produit qui est tout fait, vous ne jonglez rien du tout. Tout le monde monte ou tout le monde descend. Ça n'a pas de sens. Et en plus, ça dose moitié moins d'huile qu'une huile normale. C'est moins performant, bref. Mais c'est pénible, quoi. Et ça, c'est, de plus en plus, on a des produits tout faits avec des matières actives. Enfin, des matières actives plus ou moins complémentaires, et c'est pénible. Voilà. Alors, sur la qualité de l'eau, donc le sulfate, on commence à rentrer dans l'eau. Donc, en gros, sur l'eau, il y a deux phénomènes. Un phénomène avec le pH et un phénomène avec la dureté. C'est deux choses différentes. Chimiquement, ça n'a pas de lien. La dureté, c'est la quantité de cations dans l'eau, cations libres. Ca++, Mg++, Fe3+, Fe2+, un peu importe. Voilà, tout ce qui est cation libre dans l'eau fait de la dureté. La plus impactante sur les produits, c'est le calcium. J'ai l'impression que le calcium piège beaucoup plus qu'un magnésium. J'ai pas de fondement scientifique pour vous dire ça. Mais d'un autre côté, le calcium, c'est 80% des eaux françaises. Hein. Donc là-dessus, donc on va mettre du sulfate d'ammonium. Le SO3- va bloquer le Ca++. C'est tout bête. Donc c'est l'attirance chimique, enfin chimique électrique, hein, entre les deux, qui fait que ça va précipiter. Ça veut dire aussi que quand vous mettez du sulfate d'ammoniac dans l'eau pour bloquer la dureté, il faut faire d'abord ça. Il ne faut pas mettre le produit et puis mettre le sulfate après. Sinon la réaction, malheureusement, elle est faite avec le produit et pour le coup, le sulfate ne servira à rien. Donc on bloque la dureté. Quand on remplit un pulvé et qu'on a, qu'on a bloqué la dureté de l'eau, on bloque, on met de l'eau et on met du sulfate. D'abord, ça, c'est la priorité. On met, préférentiellement, on peut mettre la veille au soir même. C'est-à-dire que ça, une fois qu'il est dissous dans l'eau, le sulfate, il ne va pas reprécipiter. C'est comme un sucre dans le café, quoi. C'est dissous dans l'eau, donc pas de souci. Faites le même à l'avance, comme ça, ça permet que la réaction soit complète. Après, si vous faites deux pulvés, tant pis pour le deuxième, mais il n'y a pas de souci. C'est mieux de le faire avant, ça ne pose pas de problème. Vous gagnez une demi-heure le matin, ça peut compter, et donc voilà, c'est plutôt positif. Donc la dureté de l'eau, au glyphosate et tous les désherbants, globalement, vous mettez votre sulfate la veille au soir, vous laissez le mélange, et puis vous intégrez les produits au moment de partir, pas de souci. Ensuite, le deuxième élément qu'on connaît tous, c'est le pH. Le pH de l'eau donc, va influencer la dégradation des molécules dans le temps, l'hydrolyse des molécules. Quand vous mettez votre produit dans l'eau, dans le pulvé, la dégradation commence. C'est un phénomène sur plus ou moins long terme. Pour les plus impactés par la qualité de l'eau et par le pH, du coup, la dégradation peut être de quelques dizaines de minutes. Donc la demi-vie des matières actives que vous avez mis dans le bidon, dans la cuve, ça peut être 10-15 minutes. Et pour d'autres, ça peut être un produit insensible, c'est-à-dire que l'hydrolyse n'est pas liée au pH, ni à la qualité de l'eau, et du coup, ça peut durer quelques années, peu importe. Pas de perte de produit dans la cuve. Mais c'est pareil, vous ne savez pas ça. Ce qu'on sait globalement, je crois que j'ai un petit schéma qui peut être intéressant là-dessus. Voilà. Oui, ce qu'on sait globalement, c'est que, peu importe les produits, mais globalement, ça, c'est la durée de vie du produit dans l'eau. Hein, un glyphosate, par exemple, à pH 1,5 ou 2, il va être stable plus longtemps qu'à pH 7 ou pH 8. C'est pas parce qu'il est plus stable que pour l'activité biologique, il faut le mettre à des pH aussi bas. Parce que si vous le mettez à un pH comme ça, l'eau acide, l'acide, ça brûle. Vous allez brûler de la végétation et sur des plantes vivaces, vous allez perdre de la rémanence. Hein, en détruisant le feuillage, le produit va s'arrêter de migrer et du coup, vous allez perdre de l'efficacité globale. Donc, il faut rester entre 5 et 7
même pour le glypho. Mais enfin, pour la stabilité du produit, c'est des pH très bas. Mais quand on regarde la liste, hormis une exception, on va dire les dithiocarbamates, où il faut laisser les pH élevés, manem, mancozeb. Hormis ça, entre 5 et 7, vous avez tout le monde. Et un conseil de bon sens, c'est pas la peine d'aller dans les extrêmes. Acidifier fort, ça peut être dangereux. Ça abîme le matériel, c'est dangereux pour vous, et il n'y a pas d'intérêt agronomique. Enfin, dans ce domaine-là, les vendeurs de souvent, hein, les gens qui vendent des adoucisseurs d'eau, correcteurs de pH, il faut acidifier pour ci, acidifier pour ça. Globalement, il y a très peu de base scientifique pure. Voilà. Bref, alors je ne veux pas me faire que les copains en disant ça, mais c'est pas grave, je l'assume. Pour ce qu'on a à faire, nous, avec nos produits phyto, en général, vous remplissez votre pulvée, 3 heures après, 4 heures après, grand maximum, il est vide. On n'a pas besoin de durée de vie des produits pendant des mois et des mois. On n'est pas dans l'industrie chimique en train d'avoir des cuves de je ne sais pas combien qui vont devoir rester stables pendant des mois. Donc, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. Si vous mettez votre pH entre 5 et 7, allez, on va dire 6 pour faire sortir qu'un seul chiffre, vous avez tous les produits qui sont suffisamment stables pour ce qu'on a à faire, nous, avec, et sans aucun problème. Et vous prenez aucun risque. Voilà. Donc, un conseil de bon sens, je dirais, parce qu'on entend tout et franchement, alors voilà. Alors, les machines, maintenant, les adoucisseurs d'eau et tout, alors c'est intéressant peut-être quand on a un élevage associé, vous faites des poules, je ne sais pas quoi, vous devez avoir une autre été en permanence, en continu. Vous avez une station, pourquoi pas faire dériver ça, la calibrer de façon à remplir une cuve d'attente pour le pulvée, pourquoi pas. C'est pas mal, parce que quand on rentre de l'eau dure, qu'on traite l'eau dure, on va avoir un précipité. Donc on va avoir un appareil qui est sale, des dépôts partout. Si vous commencez à mettre du sulfate d'amo et que vous retrouvez des choses dans les filtres, c'est pas le sulfate d'amo que vous retrouvez. C'est le précipité du calcium et c'est normal, on le fait pour ça, on le retrouve. Certains des fois ont peur. Donc voilà, ce qui est bien, je pense, c'est de préparer ces touilles à l'extérieur du pulvée. Si vous avez la possibilité de faire une petite installation avec un ancien tank calé, avec je ne sais quoi, préparez toutes vos bouillies, mélange et tout le bazar à côté, vous aspirez dans le pulvée une fois que c'est prêt, en filtrant au passage, et vous n'entrerez jamais de merdouille dans l'appareil. Ça, c'est super. Enfin bon. Bon, pour terminer sur la qualité de l'eau, parce que je ne veux pas tout vous expliquer dans tous les sens, mais si vous mettez le pH notamment, alors de l'eau douce ou adoucie pour tous les désherbants, pH entre 5 et 7, donc 6, c'est très bien. Vous pouvez acidifier un petit peu si vous êtes au-dessus au départ ou mettre des bases si vous êtes en dessous au départ, hein, pour remonter un peu le pH. Ça se fait pas mal avec l'acide citrique, c'est un acide qui est assez costaud mais pas dangereux, donc ça c'est intéressant. Moi personnellement, je ne suis pas du tout favorable à l'acide fort, sulfurique, acide, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre encore. Enfin bref, les acides dangereux, quoi. Hein. Pour votre santé, en hein, premier, parce que se défigurer pour gratter 10 euros sur un traitement, c'est un petit peu, voilà, moi je ne suis pas pour. Et puis pour le matériel aussi, parce que si vous acidifiez en permanence, vos joints, tout ça, ça va aussi, les plastiques vont s'user assez vite. Voilà, donc un pH à 6, c'est parfait pour tous les traitements et ça suffit. Alors, au niveau de la qualité de l'eau, personnellement, moi, ce que je préconise d'abord et avant tout, avant d'investir des sommes faramineuses dans des stations de traitement, c'est l'eau de pluie. L'eau de pluie, elle a toutes les caractéristiques qu'on souhaite. Elle est douce, hein, c'est de l'eau qui n'a pas de, ou très peu. Elle a juste en éléments minéraux ce qu'elle a ramassé sur les toitures. Donc, il y en a un peu, mais c'est pas dramatique, loin de là. Le pH... autour de 7, on va dire, hein, entre 6, 6,5, 7, 7,5 des fois. Là aussi, ça dépend beaucoup de ce qu'elle ramasse sur le toit. Si vous avez une période sèche pendant 15 jours, 3 semaines, il y a de la poussière dans les chemins et tout ça qui se dépose. Et du coup, il pleut 10 mm, vous allez remplir votre cuve, mais avec les 2-3 premiers millimètres sont chargés, quoi, sur les toitures. Bon, mais c'est pas grave, hein, il n'y a pas de souci. Le stockage de l'eau est pas trop compliqué dans la mesure où... C'est un peu compliqué dans le sens où il faudrait des cuves surtout enterrées. Enterrées notamment pour la lumière. La lumière, c'est le plus gros souci dans la réserve d'eau. Si vous avez un filet de lumière, vous aurez des algues. Le long du filet de lumière, c'est assez marrant. Mais les algues, c'est quand même un gros problème.
dans le pulvée, parce que ça passera pas les filtres et ça passera pas les buses, donc c'est une galère pas possible, donc c'est pas souhaitable. Récupérer l'eau des toitures et pas de l'eau qui aura ruisselé par terre, parce que du coup on a de l'eau qui a des teneurs en calcium souvent, ou en tout cas la dureté va exploser, donc ça c'est pas top, il faut capter l'eau avant qu'elle touche le sol pour l'emmener dans une cuve. Et à partir de là, priorité, pour, si vous n'avez pas une réserve trop grosse, priorité à l'eau de pluie pour les désherbages. Après, pour les autres traitements, c'est moins dangereux, c'est moins grave. Alors, comment faire effectivement des essais chez soi, à grande échelle, qui soient relativement sérieux, c'est-à-dire exploitables, sans aller jusqu'à la micro-parcelle de l'expérimentation? Évidemment. En fait, le premier problème, ça va être la quantité de traitements testés, ou de modalités. C'est-à-dire qu'en grande culture, en grande parcelle, avec du gros matériel, on va être limité à deux, voire trois, mais alors, déjà à deux comparaisons plus un témoin. Hein. Ça va déjà être, je pense, le maximum. Alors qu'en XP classique, on peut monter les modalités à 10, 15 ou 20 micro-parcelles. Bon, voilà. La répétition, elle est faisable par bande, c'est-à-dire que vous avez un champ avec 8 passés de pulvée, ben vous faites une sur deux, hein, et ça faudrait le répéter 4 fois. Voilà, 4 bandes identiques à d'autres endroits dans la parcelle. Et le tout intercalé avec soit un autre traitement, soit avec un témoin. Le témoin doit représenter, je dirais, au moins une passée complète. Voilà, si on veut comparer des choses soit en notation, soit encore pire en rendement, il faut au moins une passée complète. Et si la parcelle est large, et le pulvée est large, il faut renouveler le témoin au moins deux fois dans le champ d'essai. C'est assez complexe, mais sans l'être vraiment. Voilà, 4 répétitions pour les peser, et puis ça c'est top. Après, le fait de faire en grande bande, en grande parcelle, si la bande fait plus d'un hectare ou 2 hectares, je ne sais pas, on peut se contenter à la limite de 2 ou 3 répétitions. Mais il faut au moins ça quand même. La disparité au niveau du sol est quand même assez grande. Et quand on regarde, même d'une micro-parcelle à l'autre, les différences qu'il peut y avoir uniquement liées à d'autres facteurs que le facteur étudié, ben c'est clair qu'il faut répéter. Voilà. C'est pas compliqué, il faut de la rigueur. Et les témoins, c'est essentiel. S'il n'y a pas de témoins, dire qu'un produit marche, si on ne l'a pas comparé à un témoin, c'est compliqué. On a souvent ça avec des oligos, par exemple. Les oligos, au niveau alimentaire, c'est toujours complexe. C'est plus complexe qu'un traitement fongicide, par exemple. Parce que l'aliment dans une bande de terre, c'est très variable. Et on va réussir à faire du résultat avec un oligo si on a levé un facteur limitant, en fait. Et ça, si on compare pas avec un témoin sans, on n'en sortira jamais rien. Ah ben, j'ai fait mieux qu'avec que sans. Mais enfin, j'ai fait mieux avec que je sais pas quoi, que rien. Et ça nous arrive souvent. Hein. Comparer les rendements d'un champ à un autre. Ben oui, c'est bien, mais même s'il est de l'autre côté du chemin, c'est pas le même champ, je suis désolé. Enfin bon. Enfin voilà, en gros, hein, très simplement, c'est pas. Ça peut être fait de façon intéressante, et ça vous donne des réponses chez vous, vraiment concrètes. Hein. Ça, faut avoir envie, quoi.